Amis peintres et stratèges, bonjour, bienvenue à vous. On est de retour pour le rapport de bataille numéro 41. C'est un rapport de bataille dans lequel Amélie et moi, on va avoir 2-3 trucs à tester, comme souvent. Je me suis donné à fond, j'ai peint jour et nuit, c'est toute cette semaine, pour pouvoir terminer ma nouvelle unité de Terminator du chaos que vous avez pu voir sur ce plateau tournant. Ce sera la première fois que je vais les jouer alors qu'ils sont peints. Et je vais en plus de ça avoir pas mal de choses à expliquer et à tester moi-même, puisque, comme vous le savez, Games Workshop équilibre au fur et à mesure son jeu pour la scène compétitive. Et vu qu'on joue en Grand Tournament, on est affecté par ces modifications. Par ces tablettes d'équilibrage. Les tablettes d'équilibrage, tout à fait. Et notamment cette armée du chaos qui est assez vieillissante, qui est une des rares armées qui n'a pas encore eu son codex en version V9. Mais ça viendra bientôt. Mais exact, on sait que c'est le prochain codex à sortir, donc ça ne saurait tarder dans les mois qui viennent. Mais en attendant, de façon à ce qu'il ne soit pas trop bancal, ils ont des petites béquilles qui ont été données par les concepteurs du jeu pour essayer de quand même réussir à gagner. Et il va y avoir du coup pas mal de bonus de règles en plus que je vais pouvoir tester. Ils ont notamment tous un peu plus d'armure, plus ou moins, on vous expliquera ça. Et en plus de ça, ça date déjà de pour encore plus longtemps, mais pour le coup, je ne les avais pas joués depuis un moment sur la chaîne. Ils ont également une petite modification sur une règle de leur armée au corps à corps. Donc, ça tombe bien, je joue justement une nouvelle unité de corps à corps et qui est censée avoir une bonne armure. Donc avec les deux ensemble, je pense que ça va me permettre de briller sur ces nouveaux points forts et de démontrer un peu l'efficacité de ce codex lors de la toute fin de son existence en V8, joué en V9. De mon côté, je vais ressortir de nouveau le codex Aeldari. Et oui. Mais cette fois-ci, je vais essayer de faire un détachement Inari. Alors, avant, je jouais déjà cette sous-faction Inari, donc avec Ivraine, le Visarque, l'Incarne, mais je les avais construits de sorte de les jouer dans une armée Drukhari. Et oui. Et maintenant, en fait, ça n'est plus possible. Ça a totalement changé avec le nouveau codex V9, et c'est plus ou moins une sorte de vaisseau-monde, une sorte de Craft World, qui permet quelques modifications, mais ça se joue comme des Eldar, quoi. C'est ça, ça se joue comme des Eldar, et pour pouvoir jouer des Drukhari ou des Arlequins, puisque les Inari sont censés rassembler toute la race Eldar sous leur drapeau, en fait, il faut déjà avoir des unités Craft World, enfin des unités Azuriani. Exact. Du coup, j'ai une armée un peu bancale, mais j'avais envie quand même de tester les règles. Et du coup, j'ai fait une alliance avec mes Rangers Altansar, ce qui est plutôt fluff, assez cohérent avec le fluff, puisque tout récemment, les Altansar se sont alliés aux Inari dans l'univers de 40K. Alors pourquoi pas que des Rangers, des errants, viennent de temps en temps leur prêter main forte. Ça fait sens. Ouais, c'est rigolo. C'était une bonne surprise. Toi qui jouais les deux factions, et justement dans un des Wave Dwarf récents, ils ont dit « En fait, c'est devenu les meilleurs copains du monde. » Oh, c'est pas mal, c'est cool. Je pense honnêtement que ma liste vaut pas grand chose, mais j'avais envie de sortir l'Incarne, parce qu'ils ont un peu changé les règles et tout, avec le nouveau codex. Pour sa synergie, mais pour pouvoir tester un peu ce qui se passe, et mettre des figurines que tu avais bien. Ouais. Ça va être assez extrême, parce que du coup, l'Incarne, il y a une figurine qui vaut beaucoup de points. Il vaut 250 points à lui tout seul. Et comme on joue en patrouille, on a que 500 points normalement, donc ça va être un peu un combat de boss, entre guillemets, par rapport à moi qui ai plein de figurines. J'ai, ceci dit, un peu plus que 500 points. Vous avez pu remarquer que je suis en 525 points, là où toi, tu n'as que 500 points. C'est, encore une fois, grâce à notre système de revanche. Si vous êtes curieux de savoir qu'est-ce que le système de revanche et comment le faire fonctionner chez vous, on va mettre ici un petit lien vers notre vidéo d'explication. En quelques mots, qu'est-ce que c'est? Nous, on garde un registre de toutes les parties qu'on joue sous faction contre sous faction, et Inari contre Black Legion, on l'a déjà joué quelques fois. Et jusqu'à présent, c'est genre que j'avais perdu plusieurs fois. Exactement, et par le passé, j'ai perdu plusieurs fois d'affilée. Du coup, pour tenter de prendre la revanche, d'où le nom système de revanche, ce petit bonus me donne quelques points d'armée en plus, 25 points pour cette partie, de façon à tenter d'arracher la victoire. Vous pouvez noter, si vous connaissez le codex et les figurines vendues par le Games Workshop, que mes Terminators n'ont pas tout à fait une apparence normal. Ils ont des têtes de Terminator standard vendues par le Games Workshop. La bannière vient d'un bits de boîte de Chaos Space Marines qui me restait, mais l'intégralité du corps, les mains, le torse, les jambes, etc. ne sont en réalité pas des figurines standard, et ces conversions, c'est des figurines
alternatives que j'ai mélangées de façon à faire cette unité-là. Elles sont vendues par la gamme Puppet Soir, qui sont là en l'occurrence les mêmes que ceux que j'ai visés pour faire les cultistes dans cette armée, qui est une très bonne gamme. Et chose qui est sympathique, et ben j'ai pu comme ça mettre des paires de griffes effrayantes à l'intégralité de mes figurines sur cette unité, ce que je voulais faire à la fois visuellement et aussi en termes de jeu, là où la boîte de base m'aurait forcé à acheter plein de fois les figurines pour pouvoir faire cette composition précise. D'ailleurs, chose qui est aussi très agréable, justement ces corps et ces mains qui étaient vendus par Puppet Soir Miniature, dont je mettrai un lien dans la description pour les curieux, proposaient déjà des emplacements pour mettre des aimants. Ce qui fait qu'en fait l'intégralité des mains de mes Terminators sont déjà aimantées. Ce qui fait que même si avec le nouveau codex, les options que tu as choisi de mettre des paires de griffes lightning à tout le monde. Sur tout le monde, c'est plus jouable, voilà. Et ben tu pourras quand même te débrouiller pour voilà, réutiliser les figurines, au moins le corps. Exactement. Quant à toi, pour les gens qui sont potentiellement intéressés par le schéma de peinture un petit peu unique Inari avec ce vert un petit peu spectral que tu as fait, tu as, il y a déjà assez longtemps, fait un tuto peinture pour justement cette unité de Céraste que tu joues. Donc pareil, si jamais vous êtes curieux, mettre un petit, lien, hop, tuto peinture, n'hésitez pas à aller regarder si vous êtes intéressé. Sur ce, eh ben, je crois qu'on peut se dire bonne chance, Amélie, et on verra bien qui remporte la bataille des entre terribles... la Black Legion de Slaanesh et les Inari, leurs ennemis jurés. Exactement, une rivalité qui dure maintenant depuis quelques temps. Amélie, bonne chance pour cette partie. Bonne chance. Et nous voilà, on va commencer comme d'habitude ce rapport de bataille par la mise en place de la partie. Et oui, il faut bien jouer à un moment donné, et pour pouvoir jouer, il faut préparer la partie. Du coup, quelle est la première chose à faire pour préparer une partie de Warhammer 40 000 en édition 9, Amélie ? Eh bien, après avoir rassemblé nos armées, tout ça, et il va falloir surtout mettre en place la table avec le terrain, les pions objectifs et tout un tas de choses comme ça. Si jamais vous savez déjà comment se met en place une partie de Warhammer 40 000, on vous invite à utiliser les time codes en dessous de la vidéo pour passer directement au prochain passage qui vous intéressera, par exemple le choix des objectifs secondaires ou le déploiement, voire même le début du round 1 si jamais vous voulez passer tout de suite à l'action. Tout à fait. Pour vous autres qui êtes restés et qui êtes désireux de voir l'intégralité de la mise en place avec nos petites explications en détail, étape par étape, eh ben c'est parti. La première chose à faire, on a notre surface de jeu. Comme on joue en 1000 points ou moins, ce qui est là le cas, on joue en patrouille en 500 points, on a une table qui est en dimension 30 pouces par 44 pouces. C'est ce que représente ici ce joli tapis légèrement jaunâtre. Nous allons maintenant ajouter des choses relativement importantes. La première chose qu'on va rajouter, ça va être des zones sur cette carte, sur ce champ de bataille. Nous jouons Amélie dans le scénario Purifier le territoire. Exactement. Ce qui, du coup, va nous donner des indications dans ce livre de Grand Tournament Narkmund, qui est sorti il y a déjà maintenant quelques temps, de l'endroit où vont être placées déjà les deux zones de déploiement, puisque quand nos armées vont commencer, elles vont être cantonnées de part et d'autre de la table, elles peuvent pas, nos figurines ne peuvent pas être placées tout à fait n'importe où quand ça va débuter. Et supplémentairement à ça, chose très importante, il va y avoir l'emplacement exact de ce qu'on appelle les objectifs principaux. Ces pions objectifs qui vont être placés sur le champ de bataille vont représenter des endroits capitaux pour nos troupes, pour notre armée, et si jamais on arrive à avoir des figurines qui restent suffisamment proches, ça va augmenter notre score, ça va donner des points de victoire. Et le but du jeu, c'est qu'au bout de 5 tours, la partie s'arrête, celui d'entre nous deux qui aura le plus grand score en points de victoire est déclaré vainqueur. Si vous voulez savoir comment récupérer ces fameux scénarios, ce livre Grand Tournament, dans sa traduction française, est disponible sur le site de Warhammer Community, gratuitement. Ce qui est suffisamment rare pour le noter. Les zones vont être placées toujours en mesurant depuis le centre. Nous, on va faire un accéléré, on va aller regarder justement ce scénario, de quelle distance sont placés les pions et les zones. On a mis un petit récap sur ce bout de papier, et on vous dit à tout de suite quand on aura délimité nos zones. On va le faire en l'occurrence avec des petits dés, vu qu'on en a plein sous la main, c'est toujours pratique. Et voilà, par la magie du montage, les zones sont placées. On a du coup ici la zone qu'on pourrait appeler du joueur blanc, et ici la zone du joueur noir.
Nos figurines seront cantonnées soit de ce côté-ci, soit de ce côté-là. Comme vous pouvez le voir, dans ce scénario, pour une fois, il y a pas mal de pions objectifs par rapport à ce qu'on a montré dans nos dernières vidéos. Il y en a 5. Les pions objectifs en eux-mêmes, ce sont ces petits jetons ici. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais en termes de jeu, il faut qu'ils soient posés sur une base, sur un socle en français, de 40 mm de diamètre. Et ces fameux pions objectifs, qui sont choses très importantes, ils ont autour d'eux une zone de contrôle qui est de 3 pouces en partant de leur socle de 40 mm. Plutôt que de mesurer tout le long de la partie pour savoir est-ce que nos figurines ont un bout du pied qui est dans la zone ou pas, parce que ça se fait vraiment parfois à pas grand chose, eh bien nous on aime bien utiliser de manière tout à fait facultative ces petits galets ici qui justement permettent de représenter cette distance. Autre détail qui est assez utile sur le fait de les utiliser, à tout moment, dans cette version 9, une figurine peut en réalité être à l'endroit précis d'un pion objectif suite à un mouvement. Donc j'ai le droit d'avoir ici ma figurine de Havok qui est là où il y a le pion. Mais il faut qu'on se souvienne précisément que le pion est censé exister sous ses pieds et que la distance pour le capturer est de 3 pouces sur cet endroit où il n'est plus. Du coup, ben, ça fait deux bonnes raisons de utiliser au final ces petits disques-là. On a gardé quand même le pion objectif qu'on met par-dessus, de façon à ce qu'on les voit bien de loin, et c'est rigolo. Alors maintenant, l'étape suivante pour mettre en place la partie, ça va être de rajouter du décor sur cette table. Et oui, ça va être très important, on va mettre du coup un certain nombre d'éléments de terrain qui vont faire le décor et une grande partie de la stratégie de ce jeu de figurines, de tactique, ça va être de se savoir comment est-ce qu'on gravite autour du décor. Le livre de base de l'édition 9 de Warhammer 40 000 précise un petit peu comment fonctionnent les décors, et surtout il donne des exemples avec des photos en disant voilà, sur cette table là il y a pas assez de décors, ou ils sont pas placés comme il faut. Tout à fait. Du coup on va ici vous compiler un petit peu les meilleurs conseils pour faire ces décors. D'abord il en existe avec des types assez variés, des mots clés différents qui changent leurs règles en jeu. Tout simplement, il y a un mot clé qui va être très important qui est le mot clé occultant, qui va concrètement couper les lignes de vue. Il va faire que les figurines de part et d'autre du décor ne se voient pas. Et donc ne peuvent pas se tirer dessus. Ce qui est bien sûr assez important, parce que dans ce jeu, le but étant souvent de voir son adversaire pour le tuer ou de ne pas se faire voir pour survivre, ça va être très tactique. On va placer entre deux ou trois de ces éléments de décor. Amélie, est-ce que tu peux nous chercher nos ruines? Ces ruines, comme vous pouvez le constater, nous les avons placées entre les deux zones de déploiement des joueurs, de sorte que elles empêchent un petit peu les gens de se tirer dessus au début de la partie. Tout à fait, si on les avait mis tous les deux d'un seul côté, ou pire, collés au bord de table, elles n'auraient pas rempli leur fonction, qui est de faire un petit jeu de cache-cache. On va maintenant rajouter tout un tas d'autres éléments de décor qui ont leurs propres mots-clés, qui sont un peu moins importants, parce que ça c'est vraiment central, on va dire, pour l'équilibre du jeu. Et on va revenir sur les mots-clés de ces décors un par un lorsqu'ils auront une utilité. Je raconte n'importe quoi, il y a des cratères, ils ont le mot-clé terrain difficile. Lorsqu'une figurine marche dedans, elle est ralentie. Et on reviendra précisément sur chacune de ces règles en détail si jamais dans la partie ça arrive et qu'un bonhomme marche par exemple dans un cratère. On dira ah, attendez, il est ralenti. Comme ça, on n'a pas à vous expliquer toutes les règles de tous les décors parce que ça nous prendrait une heure. Mais en même temps, ne vous en faites pas. Si jamais ça change quelque chose dans le jeu, vous serez au courant. Si on peut résumer le petit principe de placement des décors qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte qu'il y ait des décors un peu partout sur la table, qu'ils ne soient pas tous du même côté, par exemple, mais on va aussi faire en sorte qu'il y ait un petit peu d'asymétrie, puisque comme ça, ça va rendre la partie plus intéressante, notamment le choix de savoir si jamais on est le joueur côté noir ou côté blanc. Tout à fait. Et voilà, le terrain a été placé. Vous pourrez remarquer, chose intéressante, que les éléments de terrain peuvent être placés partiellement dans les zones de contrôle des pions objectifs. Ici ou même là, un peu partout, souvent il y a des décors qui vont forcément empiéter sur ce cercle. Ils n'ont juste pas le droit d'être sur le pion lui-même, c'est-à-dire sur la petite zone de 40 mm de diamètre. Ce qui fait que ceci est totalement illégal. Par contre, ceci est en règle d'après le livre version 9. Petit point de règle amusant. C'est notamment une sécurité qui est faite pour que les figurines qui ont des socles très très grands, comme les chars, les gros monstres, etc., puissent tout de même essayer de se placer sur les pions objectifs, et pas qu'il y ait des petits décors qui fassent des labyrinthes qui favorisent les unités qui pourraient se faufiler. Maintenant que ceci est fait, on va pouvoir passer à l'étape suivante, Amélie. Maintenant, on va pouvoir déterminer qui de nous deux va être l'attaquant ou le défenseur.
c'est quelque chose qui se fait au jet de dés. On va chacun s'affronter, si je puis dire, avec un lancer de dés, et celui qui aura obtenu le résultat le plus élevé de nous deux va pouvoir bénéficier de ce choix. Alors, pour ma part, j'ai fait 3. Et moi, 1. C'est donc moi qui emporte le jet. J'ai le choix d'être soit attaquant, soit défenseur. Mais qu'est-ce en quoi que ça consiste, George ? Eh bien, si je choisis d'être le joueur défenseur, je vais pouvoir justement être celui qui choisit soit d'être du côté blanc ici, soit d'être du côté noir, ce qui est assez avantageux, puisque je vais pouvoir prendre le côté de carte qui m'a l'air de m'avantager le plus au niveau et du terrain, de me protéger ou d'exposer mon adversaire, etc. D'où l'intérêt justement de faire un terrain qui est pas tout à fait symétrique, puisque sinon ce choix il sert à rien. Mais vous me direz alors, si choisir d'être défenseur ça fait ça, ça a l'air vachement bien, pourquoi est-ce que je choisirais d'être attaquant? Je suis totalement perdant. Eh bien pas tout à fait. Parce que si je choisis d'être attaquant, certes j'ai le mauvais côté de table, puisque je laisserai dans ce cas-là Amélie choisir celui qui lui sied le plus, mais en compensation, pour m'aider, eh bien en réalité, lorsqu'on va placer nos deux armées dans ces zones sur le champ de bataille dites de déploiement, eh bien ça va se faire en alternance. Je vais placer une unité, Amélie va placer une unité, et ainsi de suite. Et pour savoir qui commence par être celui qui va mettre en premier la toute première unité sur la table, eh bien c'est le défenseur. Donc le défenseur, certes, a l'avantage de prendre le bon côté, mais il doit dévoiler son jeu, commencer à montrer où sont ses figurines, et donc s'exposer, montrer un petit peu son plan, etc. Alors que si vous choisissez d'être attaquant, vous avez un côté de table qui n'est pas tip-top, mais en compensation, vous pouvez être dans la réaction et placer vos figurines de manière un peu plus intelligente, en connaissant plus de choses sur le jeu de votre ennemi. Alors, voyons voir. Je remarque que dans la liste d'armées d'Amélie, et oui, on commence déjà à un petit peu le côté tactique du jeu, je connais à ce moment-là la liste d'Amélie précisément. Je suis censé avoir pris le temps pour lui poser des questions, elle m'a montré exactement sur un petit bout de papier ou un utilitaire si vous en utilisez un sur ordinateur ou peu importe, et je connais du coup les figurines qu'elle joue et un petit peu ce que ça représente. Je remarque qu'elle n'a que 4 unités, principalement à cause de l'incarne qui coûte très très cher en points. Ce qui est logique, du coup elle a un peu moins de ressources ailleurs. Moi, dans mon armée, j'en ai un petit peu plus, j'ai 5 unités, parce que j'ai plein d'unités un petit peu faibles. Du coup, j'ai l'avantage, si je puis dire, que je vais pouvoir de toute façon poser une de mes unités un petit peu en dernier recours à la fin, et Amélie n'aura pas forcément son mot à dire là-dessus. Puisque je sais que j'ai peut-être plus d'unités qu'elle, ça pourrait être intéressant pour moi de choisir d'être défenseur. Ceci dit, là je dévoile un petit peu ma tactique qui va venir après, chose que du coup qu'Amélie n'est pas censée savoir, mais on est dans la confidence entre nous sur Faramir. Je n'écoute rien. C'est une chaîne pédagogique. J'ai une de mes unités ici, mes Terminators, qui ont une capacité intégrée à leur fiche qui leur permet d'arriver en se téléportant sur la planète directement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont arriver en renfort. Ce sont des unités qui ne seront pas placées au début du jeu, ils vont venir plus tard. On va expliquer cette règle un petit peu plus tard, mais du coup, je sais en fait, si jamais je joue un petit peu bien et que je réfléchis, que j'ai certes 5 unités, mais sur ces 5 unités, il y en a une que je ne vais pas placer. Et du coup, je me retrouve avec 4 unités à mettre, et sans doute Amélie, 4 aussi probablement. Ce qui fait que c'est un petit peu kiff-kiff, on a autant d'unités l'un que l'autre. Du coup, cet avantage que moi, je suis à 5 contre 4, en fait, il n'existe pas vraiment à cause de ma propre stratégie. Je vais donc, pour toutes ces raisons, finalement préférer être attaquant, de façon à peut-être pouvoir placer mes figurines de manière un petit peu plus intelligente. Bien sûr, tout ça, votre adversaire n'est pas forcément censé le savoir, vous dites juste « je choisis d'être attaquant, les deux côtés de la table ont l'air aussi intéressants l'un que l'autre », ce qui n'est pas du tout vrai, et ça va être du coup à l'étape d'après. Alors, du coup, maintenant, le joueur défenseur, c'est-à-dire moi, va pouvoir choisir sa zone de déploiement. Alors Amélie, tu préfères être du côté blanc ou du côté noir? Alors, voyons voir. Du côté noir, il y a un cratère qui peut me ralentir, moi qui joue pas mal corps à corps. C'est vrai. Sauf l'incarne qui vole. Lui, il ne sera pas ralenti. De ce côté-là, c'est le No Man's Land. Il y a juste ces grandes caisses-là. L'incarne, il peut se cacher derrière aucune caisse. Il est trop grand avec ses tourbillons d'énergie. À moins qu'il soit tout pile derrière le poteau bleu. Ouais, c'est compliqué, il est vraiment grand, j'avoue. Du coup, jamais je veux qu'il puisse se camoufler... Faut qu'il utilise plutôt, justement, les ruines ici centrales. Je pense qu'il peut se cacher si jamais il est là. Ouais, au bord, ici. Et c'est, je pense, le seul endroit de toute la carte où il pourrait se cacher bien. Puisque ici, de l'autre côté, à mon avis,
Il y a une vue quelque part par ici. Pour ça que c'est tellement grand, je me demande si en le mettant là, je peux pas quand même lui tirer dessus, honnêtement. Ça va être dur de te cacher, hein. Si dynamique avec toutes tes spirales d'énergie, d'âme autour de toi. Comme je disais, le cratère là, il va m'embêter aussi. Ouais, c'est vrai. Donc, je pense que je vais mettre côté blanc. Ouais, non, ça paraît bien. Je pense que c'est le bon choix. Tu choisis donc que tu seras de ce côté-là de la table et moi du côté là-bas. On va, j'imagine, prendre nos armées, nos dés, nos codex et échanger de place. On vous dit à tout de suite. J'aurais dû prendre l'autre côté. La fainéantise a parfois raison du choix de la table, j'avoue. Et voilà, l'échange a été fait. Hop, je suis le joueur noir, Black Legion, tout était logique depuis le début. Et on va maintenant passer à l'étape suivante. Alors, maintenant qu'on connaît nos zones de déploiement, et ben, je crois que c'est l'heure du déploiement. Non, d'abord on doit choisir nos objectifs secondaires, Georges. Exact. On va faire nos objectifs secondaires, un choix très important. Alors de quoi s'agit-il? On a expliqué tout à l'heure que pour gagner la partie, il faut avoir plus de points de victoire que votre partenaire de jeu. Ici, il y a 5 pions objectifs, mais ce n'est pas en réalité la seule manière de gagner des points de victoire. Avant que la partie commence, maintenant en l'occurrence, on va chacun devoir choisir 3 objectifs secondaires qui sont des sortes de petites missions qu'on va pouvoir sélectionner pour tenter de gagner quelques petits points de plus qui vont s'accumuler au score principal et peut-être faire la différence entre la victoire et la défaite. Mmh. Ces objectifs secondaires, nous, vu qu'on joue dans Grand Tournament Narkmund, ils sont décrits dans ce livre-là. C'est ça. Il y en a en plus quelques-uns qui sont décrits dans tous les codex de l'édition 9. C'est ça. Du coup, moi qui joue pour l'instant un vieux codex Chaos Space Marines, mais il sera bientôt refait, eh bien, je n'en ai normalement pas. Ceci dit, ils ont été sympas quand ils ont inventé les règles des objectifs secondaires pour le Grand Tournament Darkmoon. Ils se sont dit, ah, ces armées n'ont toujours aucun objectif spécifique à eux, c'est un peu triste. Ils en ont inventé un pour tous les codex qui n'en avaient pas encore. Ces objectifs secondaires, on n'a pas tout à fait le droit de les sélectionner comme on veut. On a une grande liberté, mais il y a quand même un petit cadre. Il faut qu'on en prenne 3, et chacun d'entre eux va devoir être dans une catégorie différente. C'est ça. Tous les objectifs sont classés dans, je crois, 5 familles ouais, en tout. C'est ça, 5 catégories. Et nos 3 objectifs secondaires doivent appartenir tous à des familles différentes. C'est un choix qui se fait de manière cachée et simultanée. Donc là, Amélie et moi, on va chacun prendre un petit bout de papier, réfléchir, et ensuite on va se les dévoiler, et en l'occurrence, vous les expliquer comme d'habitude. Et c'est quelque chose qui est fait avec, finalement, eh ben, beaucoup d'informations. Puisqu'on connaît déjà le scénario dans lequel on joue, le terrain, même notre zone de déploiement, et surtout, chose très importante, eh bien, la liste précise avec les figurines que vont jouer ici, les Inari et la Black Legion. Souvent, la plupart des objectifs secondaires vont consister à interagir avec les figurines ennemies ou le terrain d'une manière ou d'une autre. Mm-hmm. Du coup, sachant qu'Amélie joue ce type d'armée, ça va en réalité me faire faire des choix qui seront très différents de si elle avait joué ses sororitas ou ses orques. Au final, la partie se joue déjà grandement maintenant, dans le choix des zones de déploiement, le choix des objectifs secondaires. Certes, on n'a pas encore commencé à se tirer dessus et à se taper dessus, mais en fait, ça peut justement faire toute la différence sur les points de victoire et du coup, qui gagne ou qui va perdre. On vous conseille donc de prendre votre temps et de faire ce choix tranquillement avant que la partie commence. Mm-hmm. On va, dans un instant, revenir vers vous une fois qu'on aura choisi. A tout de suite. Alors, nous voici avec nos petits papiers. Amélie, je te laisse commencer. Quel est le premier objectif secondaire que tu as choisi? Le premier objectif secondaire que j'ai pris, il est dans la catégorie « pas de pitié, pas de répit » et c'est « jusqu'au dernier ». Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais maintenant identifier les 3 unités de mon armée qui valent le plus de points, donc les plus chères, les plus importantes. Mm-hmm. Donc là, c'est l'Incarne, le Visarque et mes Sérastes. Très bien. Et tous ceux qui ne sont pas en vert. C'est ça, tous les, j'allais dire les vrais Inari, tous ceux qui ne sont pas les renforts Altansar, voilà. Ouais. Donc, à la fin de la partie, on va regarder lesquelles de ces unités sont encore en vie. Mm-hmm. Et je vais gagner 5 points de victoire pour chaque unité qui est encore sur le champ de bataille. Potentiellement, si elles sont toutes en vie à la fin, ce qui serait plutôt mauvais signe pour moi, ça te peut te faire jusqu'à 15 points de victoire. Je ne sais pas si c'est un très bon objectif secondaire pour moi, puisque
mes gens vont être très rentres dedans et j'en ai une partie qui sont plutôt fragiles. Mais j'ai pas trouvé mieux. Enfin, sur les autres, on verra, j'ai des choses plus intéressantes, mais voilà, cet objectif-là, j'avais moins d'idées. Bah, après, ta figurine la plus chère, en tout cas, elle vaut bien cher, elle est quand même assez solide. Si elle meurt, ça sonne quand même mal pour toi. Ouais. Du coup, il y a de bonnes chances que si la partie est serrée, elle soit en vie et que ça donne au moins 5 ou 10 points de victoire. C'est l'idée. Ça peut être bien. Alors moi, en premier, j'ai pris dans la catégorie éliminer l'ennemi, assassinat. Pour chaque personnage ennemi qui, à la fin de la partie, n'est plus sur le champ de bataille parce que voilà, je l'ai tué ou qu'il lui arrivait quelque chose de fâcheux globalement, eh bien, je vais gagner 3 points de victoire par personnage qui, du coup, a été chassé. Toi, supplémentairement à ça, tu vas également gagner 1 point de victoire si le seigneur de guerre ennemi a été détruit. Tout à fait, car il est plus prestigieux d'avoir éliminé la tête pensante de l'armée adverse, si je puis dire. J'ai choisi cet objectif secondaire parce que je connaissais ta liste et j'ai vu que tu avais 2 personnages. Du coup, si jamais j'arrive à éliminer les 2, ça me donne 3 et 4 pour le seigneur de guerre, ça peut me donner 7 points de victoire. Alors que je te tire juste dessus pour te tuer, entre guillemets, ce qui est pas mal. A noter que mon seigneur de guerre, c'est le Visark, qui est un peu plus petit, pourtant, que l'incarne. C'est vrai. Mais l'incarne, c'est une invocation, quelque part. Ça paraîtrait un peu bizarre qu'il dirige une armée. Et y a certaines règles qui seraient perdues, sinon, si jamais c'était lui, mon seigneur de guerre. Alors Amélie, du coup, quel est ton deuxième objectif secondaire ? Dans la catégorie suprématie militaire, cette fois-ci, j'ai pris derrière les lignes ennemies. Ah. C'est un objectif secondaire qui ne va pas se marquer que à la fin de la partie. On va regarder vraiment à la fin de chacun de mes tours, qu'est-ce qui se passe. On va regarder si j'ai des figurines qui se trouvent derrière la ligne de Georges, c'est-à-dire dans sa zone de déploiement. Voilà, derrière les dés noirs qui sont du coup de ce côté-là. Si j'ai une unité entièrement dans ta zone de déploiement, je gagne 2 points de victoire. Si j'ai 2 unités entièrement dans ta zone de déploiement, je marque 4 points de victoire. À chaque tour. Ouais. Très bien, ça peut se tenir, vu que tu as une armée qui est globalement, comme tu le disais, pour la plupart, en tout cas, des gens de corps à corps qui ont envie de me foncer dessus, sans doute que tu vas t'avancer vers moi pour me taper. Du coup, ça peut faire sens. Mon deuxième objectif secondaire est dans la catégorie opération clandestine. Il s'agit de lever haut les étendards, les drapeaux de la Black Légion vont être hissés partout sur ce champ de bataille. Ça me donne accès à ce qu'on appelle une action. Qu'est-ce qu'une action, Amélie ? Eh bien, c'est le fait lorsque, dans la partie, là en l'occurrence, c'est une action qui peut être entreprise que par des unités d'infanterie, de faire autre chose que juste tirer, taper, etc. Là, pop, visse un petit drapeau. Je n'ai le droit de déclarer que je ne visse un drapeau que si je suis avec une unité d'infanterie en contrôle d'un pion objectif, à la fin de ma phase de mouvement. Bon, là, toute mon armée est infanterie, donc moi, chez moi, tout le monde peut essayer de le faire. Je ne peux déclarer que je commence à visser un drapeau que s'il n'y a pas déjà de drapeau à moi dessus. Là, ça va, ça se tient. Logique, ouais. Et si jamais, à la fin de mon tour, je suis toujours en vie et toujours présent au contrôle de ce pion objectif, que je ne suis pas mort pendant mon tour, ou que je ne suis pas... Normalement, ça va. Ce qui, normalement, ça devrait à peu près aller, eh bien, hop, le drapeau est planté. Pour pouvoir planter ce drapeau, il ne faut qu'il n'y ait aucune figurine ennemie qui soit en contrôle du pion. Si jamais il y a des ennemis qui sont trop proches, ça me fait un peu peur, j'ai pas le temps de le visser. Si jamais j'arrive du coup à visser cet étendard, eh bien il va rester pendant probablement un bon bout de temps sur place. On va mettre un petit dé, quelque chose pour symboliser que hop, il y a un drapeau ici. Et à chaque fois que ce sera le début de ma phase de commandement, donc au début de tous mes autres tours pour le reste de la partie, tant que le drapeau est là, ça va me donner 1 point de victoire par drapeau. Supplémentairement à ça, à la fin de la partie, si le drapeau est toujours intact, je gagne encore un petit point bonus. Pourquoi est-ce que je dis s'il est toujours là, tout ça, eh bien, Amélie peut à tout moment, si jamais elle prend contrôle du pion objectif, qu'elle a ses figurines à elle qui viennent dessus, gratuitement, on imagine qu'elle donne un petit coup de pied dedans, le drapeau est tombé. C'est ça, moi j'ai pas besoin de faire une action, j'ai juste besoin de venir là et paf, le drapeau s'en va. Exactement. Voilà, je voulais le prendre parce que j'ai des petites unités de cultistes qui coûtent pas très cher pour faire cette action. Malheureusement, comme mes blâmes, ils vissent le drapeau, ça veut dire qu'ils ne vont ni charger, ni tirer. Et vu que c'est des unités qui sont pas très fortes au tir, eh ben, sacrifier le fait qu'elles fassent ça pour visser un drapeau, c'est pas très grave. Contrairement à, je sais pas, supposons, si l'incarne il devait faire une action et qu'à la place il fait rien, comme il coûte la moitié des points de ton armée, t'es très perdant. Ça, ce serait dommage. Voilà. Ça, du coup, c'était mon deuxième objectif secondaire. Quel est ton dernier ? Alors, moi, j'ai aussi pris une opération clandestine. J'ai pris
un objectif secondaire qui vient de mon codex, donc du codex à Eldari. Et j'ai voulu en prendre un petit peu différent de la dernière fois que j'ai joué le codex. Du coup, je l'ai jamais vu, ça veut dire. Ouais, ça alors, s'appelle repérage chez l'ennemi. Ouais. Alors, il s'agit aussi de faire une action, comme toi. Ah, très bien. Donc c'est une unité, n'importe laquelle de mon armée, peut faire cette action à la fin de ma phase de mouvement, si elle n'est pas à moins de 6 pouces de ma zone de déploiement. Donc c'est le repérage chez l'ennemi, je ne vais pas faire du repérage chez moi, ça ne marche pas. En gros, on imagine qu'il y a une sorte de deuxième bande après ta bande blanche. Ouais, qui se trouvera à peu près par là, quelque chose comme ça. Et du moment que tu es là-dedans, tu peux faire ce truc pour repérer chez moi. Alors qu'est-ce qui se passe si tu le fais? Alors si je le fais, ça va me donner 2 points de victoire si jamais je fais l'action et que je ne suis pas dans ta zone de déploiement. Et 4 points de victoire si je suis dans ta zone de déploiement. Donc tu peux pas le faire trop proche de chez toi. Si tu le fais au milieu, c'est bien, tu gagnes un peu. Mais si tu le fais chez moi, tu gagnes beaucoup. Du coup, ça se cumule bien avec derrière les lignes ennemies où il faut aussi que j'atterrisse dans ta zone à la fin. Oui, c'est vrai, tu as réussi à en faire plus ou moins superposer 2 que tu pourrais faire en même temps pour gagner plein de scores. La dernière petite règle qui reste sur cet objectif secondaire, c'est quand est-ce que l'action est accomplie, selon les objectifs, parfois ça change. Ouais, moi, c'est à la fin de mon tour, par exemple. Bah là, ça change aussi selon le type d'unité qui accomplit l'action. Oh. Si c'est quelqu'un de lambda, ça va être au début de ma prochaine phase de commandement. Ah, terrible, il y a mon tour alors avant. Donc, j'ai le temps de te tirer dessus, pendant que soi-disant que tu me repères, je peux essayer de t'éradiquer de la carte. Mais si ce sont des rangers qui font l'action, et j'en ai justement une unité ici. Justement cette unité-là. Ouais. Ils la finissent à la fin de mon tour. Comme moi les drapeaux. Ils sont plus rapides à faire le repérage. C'est amusant. Ah, c'est rigolo, un objectif spécifique à une unité du codex, je crois que c'est la première fois que j'en vois. Je savais même pas que ça existait. Je m'attends à ce que mes rangers le fassent, par exemple, à partir du moment où tu seras un peu engagé au corps à corps contre moi et que eux, ils auront plus personne sur qui tirer, ils pourront faire l'action. Et sinon, au début, avant que je sois engagé au corps à corps, je pense que le Visark va tenter de faire l'action. Pourquoi? Parce que il n'a pas d'arme de tir, s'il n'est pas au corps à corps, qu'est-ce qu'il va faire? Et autant qu'il fasse du repérage. C'est vachement bien pensé. Je sais pas si ça va marcher. Ça avait l'air rigolo. Ouais, je trouve que, en tout cas, il y a un plan de jeu. On voit que tu as pris tes objectifs secondaires en réfléchissant spécifiquement à ce que ton armée allait faire pendant la partie. Je trouve que c'est impressionnant. Ok. Et moi, en troisième objectif secondaire, j'ai pris dans la catégorie pas de pitié, pas de répit, la longue guerre, qui est justement l'objectif secondaire spécifique au codex Chaos Space Marines qu'ils ont sorti dans ce nouveau livre de Narkmund. Un grand tournament et que je n'ai jamais joué, puisque la dernière fois que j'ai joué les Chaos Space Marines sur la chaîne, ça n'existait pas encore. Alors, comment est-ce que ça se passe concrètement? Si jamais j'arrive à éliminer une unité à toi qui était en contrôle d'un de ces 5 pions, peu importe lequel, alors que t'étais tu au début de mon tour, et que pour une raison ou pour une autre, à la fin de mon tour, t'es morte, je gagne un point de victoire. Et c'est un point de victoire pour chaque fois que je fais ça. Donc tu as 2 unités sur les pions qui sont là, je les tue toutes les deux, je gagne 2 points de victoire. Et ce n'est pas tout, il y a une deuxième condition pour gagner encore un peu plus de points. Si jamais au début de mon tour, tu es en contrôle d'un pion objectif, encore une fois, et qu'à la fin de mon tour, c'est moi qui le contrôle, je regagne 2 points de victoire de plus. Ces deux conditions-là que j'ai décrites se cumulent l'une et l'autre dans ce même objectif secondaire, mais de façon à ce que je puisse pas, parce que j'ai un peu de chance ou très bien joué, et que je remplis toutes les conditions en même temps, gagner 1000 de score, c'est limité, je ne peux pas gagner plus de 3 points de victoire à chacun de mes tours grâce à toutes ces conditions-là confondues. Donc tu as intérêt à faire une longue guerre et faire durer un peu la partie pour pouvoir en marquer un maximum. Exact. Ok. On a fini de se présenter nos objectifs secondaires. Il va falloir qu'on joue du coup tous les deux en réfléchissant. Toi, tu veux protéger tes personnages pour pas que je remplisse mon assassinat et en même temps je veux aller derrière les lignes ennemies, donc c'est voilà. C'est ça, et en même temps que tes bonhommes survivent. Et toi, tu veux aller là et en même temps tu veux aller là et moi je veux te tuer sur les points et patati patata. Tout ça, ça va du coup devoir être réfléchi tout au long de la partie puisque ça va influencer le score. Maintenant qu'on a décrit ses objectifs secondaires, on va pouvoir passer à l'étape suivante. C'est l'étape des réserves et des transports. Vous vous souvenez, tout à l'heure, Georges a expliqué qu'il avait certaines de ses figurines qui pouvaient arriver en téléportation. Ça ne doit pas être une surprise au moment du déploiement. C'est quelque chose qui doit se décider un petit peu en avance. Et donc là, c'est maintenant, on va faire
chacun de notre côté, on va couper la caméra, prendre un petit bout de papier, et on va écrire, voilà, les Terminators vont dans la téléportation. Par exemple. Ou n'importe quoi d'autre. On peut aussi, si jamais on a des figurines particulières qu'on appelle des transports, des genres de taxis, on peut expliquer maintenant que tel personnage va monter dans tel taxi, et ainsi de suite. C'est ça, c'est là qu'on dit qui est à bord de quel véhicule, transport, ou peu importe, et aussi qui va venir en retard. Si vous n'avez pas de figurines qui ont une règle intégrée pour venir en renfort plus tard dans la partie, eh bien vous avez probablement des stratagèmes dans votre codex qui le permet, et si ce n'est pas le cas, le livre de base, dans la version 9, a ce qu'on appelle les réserves stratégiques, qui sont une règle particulière où en dépensant point de commandement, une ressource importante, vous pouvez mettre vos figurines en renfort. C'est un renfort un peu conditionnel, un petit peu moins fort, mais ça peut vous permettre de mettre n'importe qui en renfort, même quelqu'un qui normalement n'est pas du tout censé être discret et pouvoir venir plus tard. Ces figurines ne seront du coup pas là sur le champ de bataille et viendront elles viendront en retard au tour 2 ou 3. Quel est l'avantage de faire ce choix? Eh bien déjà, le premier, c'est que lorsqu'elles vont arriver sur la table, elles ne vont pas devoir, contrairement à tout le reste de l'armée, être cantonnées à ces deux zones de déploiement. Elles vont pouvoir arriver à peu près n'importe où. Il y a une petite condition, c'est qu'il faut la plupart du temps être à plus de 9 pouces d'un ennemi. Parce qu'on n'a pas le droit d'arriver et d'être collé à lui, ce serait un petit peu trop fort en termes de jeu, mais ça peut me permettre, supposons, de venir dans ton dos, ou peut-être de venir sur le point directement ici, alors que sinon j'aurais dû faire tout le chemin à pied. Et supplémentairement à ça, ce qui est non négligeable, si vous n'êtes pas là au tour 1, on ne peut pas vous tirer dessus, donc vous ne pouvez pas mourir. Donc ça permet de se placer pour embêter l'ennemi, et aussi d'être protégé. C'est parti, c'est comme les objectifs secondaires, un choix, comme l'a dit Amélie, qui se fait de manière cachée et simultanée. Alors Amélie, c'est l'heure de vérité. As-tu mis des gens dans des réserves ou dans des transports? Alors j'ai pas de transport, donc non, mais dans des réserves, oui. Oh. Puisque j'ai mis mes cérastes pour qu'elles fassent une frappe par la toile. Ah, alors. C'est un stratagème du codex à Eldari, mais qui peut aussi s'appliquer en fait aux unités d'infanterie Inari. Donc là, cette unité de cérastes, comme je les ai mis dans mon armée Inari, ils ont gagné le mot-clé. Même Inari. Si c'est des Drukhari, là, ce sont des Inari avant tout. Et du coup, tu as le droit de mettre des stratagèmes... Ouais, ça me coûte un point de commandement. Oh. Alors, ils n'auront pas accès à tous les stratagèmes du livre, parce qu'il y en a certains qui sont réservés aux vrais Azuriani, vaisseau monde, tout ça. D'accord. Mais celui-là, ils peuvent. Il y a un pot commun. Ça, il y a un petit pot commun. Et il y a des trucs spécifiques Inari aussi? Il y en a un, ouais. D'accord, Ah, ça change bien de la manière de jouer les Inari avant que le livre sorte. Ah oui. Ok, ouais. Et amusant. Toi alors, donc, tes réserves et transports? Eh bien, je n'ai pas de transport, mais mon unité de Terminator va être mise en téléportation. Elle arrivera du coup plus tard dans la partie. Très bien. Maintenant qu'on s'est révélé ceci, on va pouvoir passer au déploiement, au moment crucial de la partie. Puisque j'ai choisi d'être joueur attaquant, et que je suis dans ce côté de table qui n'est pas forcément le plus favorable pour moi, eh bien j'ai au moins l'avantage que ce n'est pas moi qui vais devoir déployer mes figurines en premier. C'est Amélie qui va devoir choisir une de ses unités et la mettre, hop, de ce côté-là, de la table. Eh bien, je vais commencer, comme je l'avais dit, par placer l'incarne, hop, ici, de manière à ce qu'il soit à peu près caché de tout le monde. C'est vrai qu'il est bien caché. Voilà. Vous pouvez me dire, il y a des trous ici, il y a des fenêtres, il va se faire tirer dessus. Et non, si vous vous souvenez bien, lors du placement du décor, on a précisé que ces deux éléments ici, qui sont en termes de jeu des ruines, ils ont donc le mot-clé occultant. Eh bien, à moins qu'on soit à l'intérieur du décor, précisément, auquel cas là, on regarde par les fenêtres et les portes si on peut tirer, s'il y a une figurine qui est ici et une figurine qui est ici, eh bien, on considère comme s'il y avait un mur opaque, un écran de fumée qui va jusqu'au plafond. On n'a pas le droit de tirer à travers. Très bien. C'est à moi de placer une de mes unités. Je pense que je vais mettre une unité de cultistes. Et ils ne sont pas très importants. Et ils sont surtout là pour t'embêter et aller planter des drapeaux. Hop, on va les mettre comme ceci, au bord. Comme ça, je pourrais peut-être soit aller dans la ruine pour tirer dessus, soit essayer d'aller prendre du score ou quelque chose. Une unité, hop là, de 10 cultistes. Ils sont pas mignons, ces petits cultistes. C'est pas le mot, mais ils sont jolis. J'ai envie que le sergent soit devant, et j'ai envie que l'arme lourde aussi. Tant qu'à faire, la mitrailleuse ici.
Ça, si quelqu'un peut tirer, il faut que ce soit mieux que ce soit lui. Allez, voilà, c'est joli, un petit triangle ici dans la pointe. À toi de mettre une unité. Alors moi, alors maintenant, je vais mettre le Visark, je pense. Le vrai seigneur de guerre, ouais. Du coup. Je vais mettre... Que tu joues sans ivraine, c'est très rare. Oui, oui, ben, j'avais pas les points d'armée, donc je me suis dit, en termes de fluff, il est censé tantôt partir tout seul faire des missions pour ivraine, notamment des missions de reconnaissance. Oh, d'accord. Du coup, ben voilà, c'est le moment. Donc, il va aller se mettre... Le garde du corps sans sa bien-aimée, parce que dans l'histoire, il est admiratif, amoureux d'Ivraine. Lui, il a l'air d'être amoureux d'Ivraine. Je ne sais pas si c'est réciproque, mais voilà. Alors, et on va le mettre tout au bord de la zone de déploiement pour qu'il fonce le plus vite possible au corps à corps, mais par ici. C'est un petit personnage. D'accord. Pour l'instant, il peut être assez bien caché un peu par les ruines. Ouais, pour l'instant. Hein. Pour l'instant. Ok. Peur de rien. On n'a pas peur de la mort. C'est vrai. Au pire, ça servira à alimenter Inead. Qui est du coup cette nouvelle divinité que justement les Inari, le culte des Inari ont créé, qui est censé permettre d'éviter que les âmes soient mangées par Slaanesh, qui est justement mon dieu à moi. Donc, exactement. Un combat très thématique. Et ben, on va continuer dans, si je puis dire, les poses fantoches. Et on va mettre des cultistes. Hop. Au bord, par ici. De façon à ce qu'il puisse soit prendre le point du milieu de table, soit peut-être celui qui est là. Très bien. Ok. À toi de placer une autre unité, la dernière. Ça va être la dernière, moi. Ouais, moi, mon déploiement, il va vite. Hein. Il n'y a pas de souci. C'est vrai. Pour mes rangers, je vais utiliser leur règle de position avancée, qui dit que je peux les placer n'importe où sur le champ de bataille, tant que c'est en fait à plus de 9 pouces de la zone de déploiement ennemi. Donc eux, ils sont pas cantonnés à TD blanc, comme ben c'est des genres de super super espions, ils peuvent être déjà un peu au milieu du champ de bataille. Je pense que je vais les mettre par ici. Ah, c'est pour ça que t'avais pas peur pour le visage, qu'il y a des gens qui vont se mettre devant lui. On va vérifier la zone de 9. Oh, oh, oh. En fait, 9, alors, c'est court. C'est ici, voilà. Je peux te mettre là. Ça m'embête un peu, je pensais que c'était plus loin. Est-ce que je peux aller sur le plus objectif là? Oui, c'est largement faisable. Oui, pas de souci. Hop, ça j'en ai un qui va être sur le plus objectif. Mes rangers vont être cachés derrière cette ruine. Tout à fait. Et en même temps, ils vont pouvoir protéger mon Visark grâce à la fameuse règle de « Attention, monsieur », qui dit que les ennemis ne peuvent pas cibler les personnages, en tout cas les personnages qui sont pas des gros trucs comme on incarne ici. Si jamais ils sont derrière une unité constituée d'au moins 3 figurines. C'est ça, il faut être à 3 pouces au moins d'une unité ici d'infanterie constituée de 3 figurines. Ou derrière un gros véhicule, un gros monstre, un incarne, ce genre ici, de choses. Ici, il y a des gardes du corps qui sont prêts à se jeter pour prendre les balles à la place de ce personnage important de l'armée, et je n'ai du coup, en termes de jeu, pas le droit de le prendre pour cible avec mes armes de tir. À moins d'avoir des fusils de sniper bizarres. Ce que Amélie a justement sur ces bonhommes ici. Eh bien, vas-y, tu peux finir de déployer tes deux unités restantes. Je n'ai plus rien à faire. J'ai une unité pour une fois, c'est la première fois sur la chaîne et même de toute ma vie, même en dehors des parties filmées, que je joue une unité de Havoc que je pourrais qualifier de mixte. J'ai à la fois mis pas mal de canons laser, mais j'ai quand même un canon rotatif Reaper et un chef équipé de fusils plasma et de combi plasma, donc j'ai toutes sortes d'armes, c'est très fort contre... J'imagine que les canons laser, c'est pour l'incarne. Ça, c'est plutôt très fort pour tuer des grosses cibles, et il y a quand même de quoi aussi faire quelques petits tirs. J'avais envie de pouvoir tirer là-dessus. Il est caché que je me mette ici, ici ou ici, je pourrais pas te tirer dessus. Peut-être si je me mets là et que je fais un mouvement par ici, mais je pense même pas. Hein. Je pense que je te je vois pas. Sûr. Vas-y voir. Si je me mets là, tout au bord, je fais un mouvement de 6. Je crois que là, je te vois. Ouais. Bon, c'est une sacrée prise de risque, hein, parce que ça veut dire que je suis relativement proche de toi. Soit je me cache un peu derrière mon armée et j'attends que tu viennes au corps à corps et là je te tire dessus en réponse. Soit je me mets par là, ce qui me va bien parce que je suis quand même loin de tous ces bonhommes-là. Ouais, je pense qu'en vrai, c'est pas si mal. Hein. Si jamais c'est moi qui joue en premier, ce qu'on ne sait pas encore, c'est le jet d'initiative n'a pas encore eu lieu, eh bien je pourrais me précipiter dans ce petit couloir-là et tenter de te voir pour te tirer dessus. Ça a l'air intéressant, donc je vais faire ça. On va mettre ici, hop,
tout au bord, vraiment le maximum du bord de la table. Je suis même pas sûr que vous puissiez les voir en entier à la caméra tellement je les colle vraiment le plus possible au bord ici. Hop là. Zouk, 7 unités de Havoc. En théorie, ce serait à ton tour de placer une unité, mais j'en ai plus à placer. Il te reste que t'es en forme, donc c'est pas pour tout de suite. Hop, je vais donc du coup enchaîner ma dernière pause à moi, qui est mon seigneur de guerre ici, le psycheur. Alors, il a quelque chose pour faire mieux viser les gens. Ça donne peut-être un petit peu envie de le mettre avec les Havoc. En même temps, il pourrait aussi juste faire des châtiments, et il a un sort qui peut être intéressant au corps à corps. Peut-être pour les futurs Terminators qui viendront en renfort ici au milieu de la carte. J'hésite entre les Havoc et les cultistes. Tes snipers ici peuvent tirer à travers mes bonhommes pour me tuer. Ça va me convaincre du coup de mettre, je pense, également tout au bord par ici, bien caché. Parce que comme ça, avec ces caisses qui sont là, hop, tu me vois pas et du coup, tu peux pas me tirer dessus. Très bien. Je pense que c'est ce que je peux faire probablement de mieux. Ok, et ben on a fini de placer toutes nos armées à tous les deux. On va pouvoir maintenant faire ce fameux jet d'initiative pour savoir qui va commencer la partie. Hop. Alors, un jet de dés très important. On lance chacun un dé de 6. Celui qui fait le plus haut résultat commence en premier. 2. 2. Oh, suspense. Suspense. 4. 1. Oh non. Yes. Et du coup, le fait que j'ai placé mon unité un petit peu par là, ça va sans doute me permettre de peut-être entamer ta figurine centrale qui est très importante. Voire même la tuer et puis dans ce cas-là, je pleure. Qui sait si j'ai de la chance peut-être. On va faire une petite pause de façon à, comme à notre habitude, mettre ici sur cette grande tableau à créer un récapitulatif de points de commandement, le round de bataille en cours, combien on a gagné de scores aux objectifs principaux, mais également est-ce qu'on a rempli nos conditions pour les objectifs secondaires. En bref, vous allez pouvoir suivre le déroulement de la partie précisément. Je suis embêtée par le fait que tu aies le premier tour, mais je pense que j'ai réussi à suffisamment bien me cacher derrière les décors pour mitiger un peu tes dégâts. Je me suis mis un peu partout le long de ma ligne de déploiement et ça va me permettre de me déployer sur toute la carte. Et nous voilà de retour pour le début de la partie. Si vous nous avez rejoints ici, sachez que c'est Georges qui a gagné l'initiative. Exactement. Et qui va pouvoir commencer. On est au début du round numéro 1 et si je ne dis pas de bêtises, en tant que Aeldari, puisque c'est ton codex, tu as une règle qui intervient maintenant. C'est ça, j'ai la règle des fils du destin. Je précise que de la manière dont c'est formulé dans le codex, on pourrait croire que je n'ai pas le droit d'utiliser cette règle car j'utilise des figurines Drukhari aussi dans mon armée. C'est vrai. Néanmoins, il y a eu un petit patch du codex, une FAQ qui est sortie, qui a rectifié ça et qui a dit que, ben oui, les Inari, même quand ils incluent des Drukhari ou des Arlequins, ils ont toujours la règle de fil du destin. Très bien. Alors, comment se passent les fils du destin? Je crois que les augures sont capables de voir partiellement l'avenir et du coup de faire des actions parfaites durant la partie. Si je ne dis pas de bêtises, Amélie, si je me souviens bien de la dernière fois, à chaque début de round, peu importe qui a gagné l'initiative ou quoi que ce soit, tu vas relancer 6 dés, ça c'est toujours, et comme on joue ici en format patrouille, tu vas pouvoir en sélectionner 2 de ton choix parmi ces 6. Et ça va te donner plus ou moins des sortes de jets joker plus tard dans la partie, qui vont faire des 6 automatiques sans lancer le dé. C'est ça. Alors, je vais pouvoir remplacer certains de mes futurs jets de dés par des 6. Mais pour savoir quel jet de dés j'ai le droit de remplacer, eh ben, ça va dépendre des valeurs que je vais obtenir maintenant. Alors, hop, je vais lancer les dés ici. Et on va sortir le codex pour expliquer précisément quelle valeur correspond à quel jet. Si je conserve un 1, j'ai automatiquement un 6 sur un jet d'avance. Si je conserve un 2, c'est pour un jet de charge. Si c'est sur un 3, c'est pour un test psychique. Si c'est sur un 4, c'est pour un jet de touche. Si c'est pour un 5, c'est pour un jet de blessure. Et si c'est pour un 6, ce sera pour des jets de sauvegarde. Très bien, il y a un peu de tout comme vous pouvez voir, c'est pas mal. Du coup, tu dois en choisir 2.
et tu sais que ça va servir pendant mon tour et ton tour. Mm-hmm. Du coup, tu pourrais vouloir peut-être prendre des sauvegardes pour survivre, mais en même temps, c'est-à-dire quand ton tour viendra, tu auras déjà peut-être épuisé cette réserve. Je pense que je vais prendre les sauvegardes. Parce que tu as le premier tour, et oui. Ton premier tour peut être très explosif en tant que Black Legion. Ouais, je sais que tu as plein de stratagèmes et de coups que tu peux faire maintenant. C'est très vrai. Je veux être sûr de faire survivre mes unités les plus importantes, notamment l'incarne. Très bien. Du coup, je vais mettre ces deux des deux côtés, ces deux 6, et je vais pouvoir m'en servir n'importe quand durant ce round pour remplacer un jet de sauvegarde. Je ne lance pas le dé, j'utilise à la place un de mes fils du destin. Et je réussirai automatiquement en faisant un 6. Petite rectification par rapport à la vidéo précédente, le rapport de bataille où tu jouais Aeldari contre Custodes, mm-hmm. où on jouait cette règle nous-mêmes pour la première fois. Il y a eu quelques petites erreurs. Mm-hmm. Alors, c'est surtout le fait que ça ressemble à d'autres règles, notamment les sororitas, qui m'a un petit peu perdu. Alors, ces fils du destin, on peut en utiliser pour remplacer plusieurs jets de dés au cours d'une même phase, ça c'est autorisé, mais il n'est pas autorisé de remplacer deux dés d'un même jet de dés. Par exemple, les jets de charge ou les tests psychiques qui sont toujours faits avec deux dés. Ben, Amélie n'aurait pas le droit de dire « Oh, j'utilise toute ma réserve et je fais 6 et aussi 6 », ce qui est absolument fou. Par exemple, pour un châtiment, pour ceux qui connaissent, ça fait quelque chose qui ferait très très peur. Eh bien non, au mieux, en fait, cette règle permet de valider un 6 sur un des dés, ce qui est déjà très c'est intéressant. Déjà pas mal. Ok, alors, maintenant, le round 1 commence pour de bon. C'est mon tour en tant que joueur Chaos Space Marines qui va s'entamer. Phase de commandement. Je n'ai pas de règle de commandement, car j'ai pour l'instant encore un vieux codex qui a été écrit en version 8, mais au début de la phase de commandement, je gagne tout de même un point de commandement. Et oui, on joue enfin dans un scénario qui n'a pas de restrictions concernant les gains de points de commandement. Mmh. Ce qui est assez rare dans cette zone de guerre Narkmund, la plupart du temps, on avait pu voir... Il y en a souvent où le gain des points de commandement est modifié, où on gagne plus, on en gagne moins. On en gagne souvent moins, on gagne souvent moins. J'en ai 4. On peut voir qu'Amélie n'en a que 2. Comment ça se fait? Parce que j'en ai dépensé 1 afin de faire que mes sérastes fassent une frappe par la toile et arrivent plus tard dans la partie. Tout à fait. À la phase de commandement, il va maintenant se passer un petit peu, on va dire, le score, le fait de savoir justement si on est en contrôle des points objectifs ou pas. Lorsque l'on contrôle 1 point, 2 points, plus 2 points que son adversaire, on va à chaque fois remporter 4 points de victoire. Cette règle-là, elle n'est pas activée au début du round numéro 1. Ce sera que pour les rounds 2, 3, 4 et 5. Par contre, chaque scénario a maintenant une règle qui lui est propre. Nous, dans ce scénario de purifier le territoire, spécifiquement, c'est assaut direct. Comment est-ce qu'il marche, Amélie ? Alors, ça ressemble un petit peu à ton objectif secondaire de la longue guerre qu'on a expliqué avant. À la fin du tour de chaque joueur, donc là, toi, tu pourras marquer du score à la fin de ton tour, et moi, je pourrais marquer du score à la fin de mon tour, on regarde si certaines conditions sont remplies. La première, c'est contrôler tous les pions objectifs, ou contrôler un pion objectif qui ne contrôlait pas au début de son tour. Ah, ok, ça c'est déjà plus facile à faire. Mm-hmm. Ça, c'en est un seul. Ça, c'en est un, ouais. Voilà. Et la deuxième, avoir détruit au moins une unité ennemie à portée d'un pion objectif au début de son tour. Du coup, si jamais j'arrive à contrôler au moins un de ces trois pions, ou alors que j'ai détruit cette unité de ranger qui est en contrôle, ça me donnera du score. Ça m'en donnera... Alors, ça donne 2 points de victoire si une des conditions est remplie, et 3 points de victoire si les deux conditions sont remplies en même temps. Très bien. Et cette règle-là, elle, par contre, elle est active dès le round 1. Oui. Du coup, ça peut être intéressant qu'en plus des objectifs secondaires, j'essaye justement de remplir ça dès à présent. Chose notable, dans ce scénario, on peut voir que j'ai ici une de mes unités qui a une figurine en contrôle du point. Il y a également une règle particulière qui s'appelle territoire purgé, qui permet, lorsqu'on contrôle à sa phase de commandement un pion objectif avec une unité qui a la règle objectif sécurisé. Ce qui est justement le cas ici de mes deux unités de cultistes. Eh bien, ce pion est verrouillé, il est plus ou moins acquis à mon équipe, et même si mes figurines s'en éloignent, on considère en termes de jeu que j'en garde le contrôle. Un peu comme les drapeaux de l'OVO, les étendards qu'on a expliqué précédemment, si Amélie a toutefois une figurine qui prend contrôle du pion plus tard dans la partie, ça va enlever cette espèce de verrouillage que j'ai mis dessus temporairement.
Du coup, hop, à cette phase, tu vas pouvoir mettre un petit dé pour te souvenir que le point va rester à toi. Est-ce que tu peux passer un dé jaune, jaune comme toutes les dorures de la Black Legion, bien sûr. Exactement. Hop, je vais le mettre comme ceci, de façon à ce qu'on se souvienne que ce pion est à moi, même si je m'en éloigne. Moi, à ta place, j'aurais pris un TD noir et jaune, c'était encore plus Black Legion. C'est vrai, mais vu que je vais déjà les lancer peut-être sur la table, j'ai peur de les confondre. Je préfère prendre un dé jaune et noir que noir et jaune. Ensuite, on va maintenant terminer la phase de commandement, on passe à la phase de mouvement. Alors, il va se passer un certain nombre de choses. J'ai justement mis ici une unité vraiment à la pointe, et pour l'instant, si je reste sur place, je ne peux pas tirer dessus à cause de la règle de décor occultant qu'on a expliqué plus tôt dans la partie. Et cela, la seule figurine qu'il voit, c'est le seigneur de guerre, mais lors de ton déploiement, tu l'as protégé par la règle attention messieurs, ce qui fait que actuellement, si je ne bouge pas, je ne peux tirer sur personne. Ce serait fâcheux. Je vais donc, bien entendu, ici, avec mon mouvement, rentrer dans cette ruine, auquel cas, si jamais j'arrive à voir des gens qui sont dedans, à partir de là, je peux vraiment tirer par les fenêtres ou les portes éventuelles et essayer d'éliminer tes rangers. Alors, tu as un mouvement de combien ? J'ai un mouvement de 6 pouces, comme un humain, tout ce qui est le plus normal. Celui qui est le plus devant est ici. Celui qui est là est ici. Il y en a peut-être un, deux qui ne tournent pas. Est ici. Est-ce qu'ils sont tous dans la ruine ? Alors, je ne pense pas. Je vais juste maintenant rapidement compléter la petite formation. Alors, pour savoir du coup si mes figurines sont dans la ruine, puisque ça se fait au bonhomme près, il faut imaginer une triangulation au sol de ces éléments de terrain. C'est-à-dire que je vais regarder en vue aérienne et fais de cette pointe de mur à ce mur-là, on ferme. C'est-à-dire que ce bonhomme-là n'est pas à l'intérieur. Tous les autres ont un bout de leur socle qui est au moins à l'intérieur de cette zone. On considère qu'ils sont dans cette ruine. D'accord. Bon, ça fait déjà un tir de moins sur moi, c'est déjà pas mal. Tout à fait. Ensuite, l'unité qui est là. J'hésite un petit peu. Si je reste ici, je peux justement à la fin de ma phase de mouvement déclarer que j'y mets un étendard, ce qui va mener du score. Et en même temps, je pense que ces cultistes qui sont là vont peut-être, si j'ai un petit peu de chance, entièrement éliminer les rangers, ce qui ferait que ton personnage ici ne serait plus protégé par ses gardes du corps. Et du coup, cette unité, si je l'avance au milieu du terrain, pourra peut-être tirer sur ton chef. C'est un peu une prise de risque, parce que je plante pas le drapeau et que je me rapproche d'un corps à corps, mais en même temps, sur ce champ de bataille, il y a quand même un autre pion objectif au milieu de la carte. Je ne suis pas totalement perdant en faisant ce mouvement. Ils vont donc eux aussi faire un mouvement de 6 pouces, hop, tout droit. C'est bien, en plus ça te permet de poser un pied sur le pion objectif. Oui. Ça, ça peut être important pour ton objectif principal, assaut direct. Je vais les mettre tous par ici, hop là, de façon à ce qu'ils aient tous une petite ligne de vue, ou en tout cas la plupart sur ton chef, je crois que les deux là te voient. Et j'aurais bien voulu faire un mouvement entièrement par là, comme lui, mais ici il y a des barricades qui ont le mot-clé terrain difficile, il faut que je les contourne, sinon j'ai moins 2 à mon mouvement. J'ai fini tous les mouvements de ce côté-là de la carte, on a maintenant le dur de mon armée, les Avoc. Si vous avez l'habitude de regarder les vidéos où je joue Black Legion, habituellement j'ai 2 unités d'Avoc, et c'est vraiment elles qui détruisent mon ennemi, là où les cultistes sont plus de l'occupation un petit peu, mais ils sont pas forcément très menaçants. Je me souviens de cultistes qui ont tué mon chaplain investigateur. C'est vrai, mais j'avais mis un pouvoir psychique et 2 stratagèmes pour que ça arrive. Et j'avais été un peu chanceux. Les Avoc qui sont ici ont un mouvement de 6 pouces. Ils vont effectuer, hop, leur mouvement pour s'engouffrer par là. Je suis obligé de contourner, hop, cet angle, et il me reste encore 2 pouces pour arriver jusqu'ici. Les autres qui ne vont pas contourner vont pouvoir aller un petit peu plus loin, jusque là. Logiquement, le reste de mon unité suit comme ça, hop. Ce qui va faire que ben, je vais avoir ici des gens qui vont pouvoir te voir et tenter peut-être de tirer dessus. Puisque ils peuvent tirer donc sur un petit bout de mon sol ici, qui est visible sans traverser la ruine. Exactement. Mon chef qui est là avec son mouvement de 6, lui, il ne pourra pas te voir te tirer dessus avec son arme relique, ça m'embête un petit peu. Peut-être qu'il devrait finalement quand même rejoindre les cultistes. J'avais caché ici, avant de savoir qu'il y aurait une initiative, pour pas que tes rangers, qui ont des règles de fusil sniper, puissent tirer à travers les cultistes et le tuer. Maintenant que je sais qu'ils vont très probablement connaître une mort certaine dans pas longtemps, ça peut être peut-être intéressant pour moi d'éloigner légèrement mon sort sur la... Je voudrais qu'ils puissent lancer un sort de préscience, qui est un pouvoir psychique qui fait que mes Avoc viseront mieux. Plus un pour toucher. Ça a quelle portée, ta préscience ? Alors, il me semble que c'est assez long.
ça a une portée de 18. Ah, je n'ai pas besoin de voir l'unité en question. Oui, donc tu peux être par là. Et c'est ça. Avec un mouvement de 6, je peux faire 4. Il y a encore 2. Est-ce que je vois ton chef? Oui. Ok. Je ne serai pas protégé du tir. Ceci dit, c'est pas très gênant. Parce que tir d'ici là. J'ai les snipers qui s'en fichent, le tuer des gardes du corps. J'ai une lanterne qui tire sur tout ce qui est autour de lui, pareil, sans qu'il ait besoin de garde du corps. Ok. Je me remets sur le point, ce qui n'est pas si mal. Mm. Et voilà, j'ai fini ma phase de mouvement. Maintenant, on va passer à la phase psychique. Phase psychique, eh ben, c'est parti. Mon sorcereur ici connaît châtiment, un sort qui fait mieux viser, préscience, et un sort très puissant que je n'ai à peu près jamais joué de ma vie et que vous n'avez jamais vu sur la chaîne, qui est Maléfice Fatal. Maléfice Fatal. Il permet de tenter d'enlever la sauvegarde invulnérable à une unité ennemie. Malheureusement, il n'a qu'une portée de 12. J'aurais bien voulu faire ça sur ton bonhomme ici, mais je n'ai pas tout à fait le mouvement nécessaire. Ok, du coup, il ne me reste que la possibilité de faire châtiment, qui est sur la figurine invisible la plus proche à 18. Lui, je ne le vois pas. Eux, je ne les vois pas. Est-ce que je suis à 18 de ton chef? Non. Donc châtiment n'est pas possible, maléfice fatal n'est pas possible. Ben, je vais lancer un seul sort et tenter de manifester un seul pouvoir, même si j'avais le droit d'en lancer deux partout. Je vais faire cette fameuse préscience sur les avocs qui sont ici. Je lance 2 dés. Il va falloir que je réussisse à au moins égaler la charge warp du sort, qui est pour préscience, il me semble, 7. C'est bien ça. Je lance 2 dés. J'ai fait 8 au total. C'est vrai que tout va bien, le sort est censé être manifesté, mais si mon adversaire, ici Amélie, possède dans un rayon de 24 pouces de cette figurine quelqu'un qui est lui-même un psycheur, il peut tenter, c'est le cas, hein, largement à 24 pouces, tu sens que j'essaye de déformer la réalité pour manifester quelque chose, et tu peux faire ce qu'on appelle une tentative d'abjuration. C'est gratuit, tu as le droit de faire, je pense, une abjuration par tour. Deux. Ah oui, c'est vrai que c'est quand même un avatar de dieu, ça rigole pas. Bon. Si jamais tu fais strictement plus que moi avec tes 2 dés, eh bien, tu vas empêcher que ce sort arrive en jeu. Donc, du coup, il faut que je fasse au moins 9. C'est ça. Pas facile. Tout à fait. 4, ben, c'est raté. Le pouvoir est manifesté. Je me souviens donc que jusqu'à ma prochaine phase psychique, cette unité a plus 1 à ses jets de touche, aussi bien au tir qu'au corps à corps. C'est la fin de ma phase psychique. J'ai réussi mon sort, je suis plutôt content. On va passer à la phase de tir. Et c'est là que mon armée va se déchaîner. On va commencer par l'unité la plus importante dans cette phase de tir, mon unité de Avoc, qui est équipée de toutes sortes d'armes intéressantes. Elle va déclarer l'intégralité de ses tirs sur la seule cible qu'elle a le droit de tirer, à savoir, la manifestation de l'incarne ici, qui est présente en phase 2. Alors, je vais déclarer quelques stratagèmes en dépensant des points de commandement, qui sont une sorte de super ressources, qui fait des super coups. On a le choix soit d'utiliser les stratagèmes du livre de base de la version 9, il y en a pas mal, ou alors, cela c'est ce que je vais faire, chacun de nos codex contient des stratagèmes de faction, d'armée, qui leur sont propres. Je vais utiliser... pour le coup, même les codex de version 8, on avait déjà. Tout à fait. Alors, je vais utiliser quelques stratagèmes. Voyons voir. Je vais décider d'utiliser un point de commandement pour faire le stratagème vétéran de la longue guerre. Ça se fait au début lorsque je dois déclarer un tir avec une unité qui est Chaos Space Marines, c'est le cas, et ils vont avoir, lors de toute cette phase de tir, un plus 1 de blessés avec leurs armes. C'est quelque chose qui me coûte un point de commandement, je passe normalement de 4 à 3 points. Mais avant que je les fasse, je vais faire intervenir ici la règle de mon sorcereur en trait de seigneur de guerre. Il dit, c'est un chef digne de confiance, trait de seigneur de guerre que seule la Black Legion peut prendre. Je vais pouvoir lancer un dé, et sur un 5 ou un 6, ce point de commandement m'est restitué. Ce qui est plutôt chouette si ça arrive. 1, il n'en est rien. Je dépense bel et bien ce point. Hop, je passe. Ce trait de seigneur de guerre, est-ce qu'il était déjà dans le codex Chaos Space Marines ou est-ce qu'il vient d'un ouvrage annexe? Alors, il vient effectivement d'un livre supplémentaire, si je ne dis pas de bêtises. Il y a donc le livre Codex Chaos Space Marines qui était sorti en version 8, et un petit peu plus tard, il y a toutes sortes de livres dans l'édition 8 déjà qui rajoutaient des règles. Au milieu de l'édition 8 est sortie une série de livres qui s'appelait Vigilus,
Et dans Vigilus en flamme, il y a des nouveaux traitements de guerre, de nouvelles reliques et des nouveaux stratagèmes qui concernaient la Black Legion. Vu que le codex n'a pas encore été refait en version 9, toutes ces règles sont encore d'actualité. D'ailleurs, chose amusante, elles ont été recompilées de manière récente dans le livre Caradron, le livre du feu, chapitre 2. Qui après reprend... Vigilus en flamme, c'est le livre du feu. Qui voilà. Reprend exactement toutes les règles des Chaos Space Marines de la Black Legion, mais aussi celles des autres sous-factions, puisque là-dedans, il n'y avait que celles de la Black Legion. Du coup, si vous aimez les Space Marines du Chaos, ce livre a eu une version 2 qui était similaire, mais je vous déconseille de l'acheter, puisqu'on sait que le Codex version 9 arrive très bientôt. Alors, c'est parti, je vais te tirer dessus. Est-ce que tu veux mettre un stratagème ou une règle défensive quelconque? J'hésite. J'ai quand même deux jets de sauvegarde assurés, ce qui oui, peut déjà m'aider. C'est vrai que tu as tes débuts d'estin. Et l'incarne a aussi le fait, c'est son enveloppe de mort qui lui donne cette règle-là, oui. Qui fait que tous les dégâts qu'il va subir vont être divisés par deux. Divisés par deux? Oui. Pas moins un. Divisés par deux, pas ça avant. Alors, j'ai un stratagème défensif. C'est solide. Donc, une réaction éclair qui peut faire que tu as plus de mal à me toucher, mais. Mais en l'occurrence, je me dis peut-être que j'aimerais bien le mettre sur mes rangers pour faire en sorte qu'ils survivent. Parce pour protéger ton chef, qui sinon va se faire tirer dessus par lui et lui, enfin ouais, ça se tient. Du coup, il faut peut-être mieux que je sauve les rangers en fait. Ok, donc tu gardes ce stratagème défensif, chose importante, c'est que c'est vrai. Un même stratagème qui porte un nom précis ne peut être utilisé qu'une seule fois par phase. Du coup, même si Amélie avait une infinité de points de commandement, elle ne pourrait pas utiliser ce stratagème et sur un incarne et les rangers, d'où le fait de devoir choisir. Alors je prends un petit peu un risque, puisque si jamais l'incarne meurt face à tous ses tirs, je vais regretter mon choix, mais bon, on verra bien. Tant de dégâts divisés par deux, ça devrait quand même un peu te protéger. Alors, c'est parti. Pour te toucher, j'ai une capacité de tir de 3+. J'ai toutes sortes d'armes qui ont des profils un peu différents. Ici, le champion d'unité, il a des armes de type tir rapide, et tous les autres ici ont des armes de type lourd. Quand une unité d'infanterie fait un mouvement puis tire, elle a normalement un moins 1 pour toucher. Mais eux, en tant qu'avoc, ils ont vécu toute leur vie avec des mutations et ils sont spécialisés dans le fait de tirer avec des armes de véhicules tout à fait disproportionnées. Ils ont donc des griffes stabilisatrices qui sortent des pieds, qui s'ancrent dans le sol, ce qui fait qu'ils n'ont pas de moins 1 pour te toucher. Alors, je vais commencer par les tirs les plus importants, ceux des canons laser. J'ai 3 canons laser. C'est une arme qui est dite de type lourd 1, donc chacun d'entre eux fait un tir. Ça va me faire un total de 3 dés. Je te touche sur 3 ou plus. J'ai un plus 1 grâce à ma préscience que j'ai lancée un peu plus tôt, ce qui va passer à 2 ou plus. 2, 4 et 1. 1 qui a loupé. Tant pis, c'est comme ça, c'est pas de chance. Ça fait 2 tirs qui t'ont touché. Ils ont une force de 9. Tu as une endurance de 7. 7. J'ai une valeur supérieure à toi, mais qui n'est pas le double, je te laisse sur 3 ou plus. Mais grâce à mon stratagème de vétéran de la longue guerre, j'ai un plus 1 pour blesser, ce qui fait que je passe de 3 ou plus à 2 ou plus. Ouais. C'est plutôt facile. Oh non. J'ai refait un 1. Triste destin. J'ai du coup un seul tir de canon laser qui touche et qui blesse. Ce tir de canon laser a une pénétration d'armure de moins 3, mais j'imagine que tu as surtout une sauvegarde dite invulnérable, c'est-à-dire qu'il n'est pas affecté par la pénétration d'armure. Alors, j'ai tout de même une sauvegarde d'armure de 3+, donnée par, je ne sais pas, le tourbillon, peut-être. Mais j'ai effectivement surtout une sauvegarde invulnérable de 4 ou plus. Ce qui est bien mieux dans ce cas de figure. Alors, c'est parti. Est-ce que tu veux tenter la chance ou est-ce que tu veux utiliser un de tes non, super dés? Non, je vais utiliser un de mes dés de destin. Très bien, du coup, c'est comme si tu avais fait 6 sauvés, les canons laser ne t'ont pas fait mal. Zut alors. Ensuite, on va passer ici au hop, Chain Reaper Canon. Chain Reaper Canon, le canon rotatif Reaper en français, qui est une arme, elle, qui est surtout prévue pour tuer plein de petites figurines. Du coup, au lieu de faire un gros tir, elle fait 8 petits tirs. Je te touche à cause de la pression sur lui de plus, comme tout à l'heure. On enlève les 1. Puis, bon, je te blesse, je ne suis que force 5 contre endurance de 7. Mon endurance est plus grande que ta force, normalement tu devrais me blesser sur 5 ou 6. Grâce à mon stratagème, j'ai un plus 1 pour blesser, vétéran la longue guerre, je passe à 4 ou plus. On enlève les 1, 2, 3. Ce qui nous fait 4 jets de sauvegarde. D'accord. Pénétration d'armure de moins 1. Du coup, que tu utilises ton invulnérable ou ta sauvegarde normale, ça revient au même. Chacune d'entre elles ne fait perdre qu'un seul point de vie. Je sais pas si tu veux mettre une sauvegarde joker là-dedans. Non.
tout est loupé. Je suis pointé. On manque, c'est pas des tirs de canon laser. Mais au moins, les dégâts divisés par deux ne servent pas. C'est vrai. Ça. Je perds toujours un point de vie par balle. 4 points de vie, du coup. Ouais. Bah, je passe de 12 à 8. Et il me reste plus que les tirs de mon champion ici, qui a un fusil à plasma. Tu vois aussi ton champion ? Tu me le doutes, mais il me semble que... Attends, on va mesurer, c'est quand même important. Parce que là, tu vois, tu passes par le... Peut-être pas, je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison, effectivement, il n'a sans doute pas d'angle de vue. Et bien, on va passer à l'unité suivante. On va passer maintenant aux cultistes qui sont ici. Ils ont déclaré leur tir sur les rangers. On se souvient que cette figurine qui est là n'est pas dans les ruines, elle ne peut pas donc te voir. Ils ont un type d'arme qui dit tir rapide. Sauf celui qui porte la mitraillette qui est ici, qui lui a une arme longue. Tous les autres, du coup, ont un seul tir s'ils sont à 24 pouces, mais s'ils sont à 12 pouces ou moins, ce qui est largement le cas, je suis presque venu à toi, je fais le double. Donc chacun d'entre eux va faire deux tirs. C'est là que je vais mettre, on va essayer de les sauver quand même, au moins contre la première salve de tir. Je vais mettre un stratagème qui est l'agilité hors pair. C'est un stratagème qui peut de nouveau s'appliquer sur des Azuriani, donc là c'est le cas, mais aussi sur des Inari par exemple, ou sur des Arlequins d'ailleurs. Et ça va du coup me donner un moins 1. Ça va donner un moins 1 pour me toucher. Est-ce que c'est juste sur ce tir-là ? C'est sur, jusqu'à la fin de la phase. Ah d'accord, intéressant. Eh bien c'est parti. Je vais moi aussi mettre un stratagème pour améliorer ce tir. Je vais utiliser un stratagème spécifique à la Black Legion qui vient justement de cette extension de Vigilus en flamme qui s'appelle la pointe de la lance. Il ne coûte qu'un seul point de commandement et il fait quelque chose d'assez fort. Il va faire pour toute cette phase, je peux relancer tous mes jets de touche loupés. Comme toi, tu as fait que je vise moins bien, il va pouvoir relancer tous les loupés, ça va me permettre de peut-être rattraper le coup. Oui, effectivement. Mais, tu dis, pour un seul point, n'importe quelle unité Black Legion, relancer tous ses jets de touche. Mais pourquoi tu l'as pas mis sur tes Avocs ? Pourquoi je l'ai pas mis sur les Avocs ? Ça aurait été super fort, qu'est-ce que tu fais ? T'es débile ! Mais non ! Ben, pas tout à fait, parce qu'il y a en fait des conditions. Déjà, on ne peut l'utiliser que à la phase de tir du premier tour. Ensuite, pendant tout le reste de la partie, j'aurais plus jamais le droit de le lancer. Et ensuite, comme son nom l'indique, la pointe de la lance qui s'enfonce dans l'ennemi, je ne peux le faire que sur une unité à moi, qui est strictement la plus proche de toute figurine ennemie sur le champ de bataille. Et bah, mes Avocs sont très loin de tes bananes, mes cultistes ici sont l'unité la plus proche de toi, c'est donc les seuls qui sont éligibles pour recevoir en réalité ce bonus. Je devrais passer de 3 points à 2 points de commandement, mais... Le chef de guerre digne de confiance. Le chef de guerre digne de confiance, chrétien de guerre, sur 5 ou 6, je ne le perds pas. Et si c'est un 2, je le perds. Je passe donc à 2 points de commandement. Hop. C'est parti, on va faire les tirs. Je vais commencer par tous les tirs rapides et je ferai l'arme lourde tout à l'heure. Alors, tu as du coup 8 cultistes. C'est ça, j'ai 8 cultistes qui ont des armes à tir rapide. Ce qui fait 8 fois 2, un total de 16 tirs. Ils ne savent pas très bien viser, ils ne touchent que sur 4 ou plus. Mais tu as mis 1 moins 1, ça passe à 5 ou plus, ce qui est très très peu. Mais oh, pointe de la lance, je relance les 1, 2, 3, 4. Donc dans ce cas de figure, c'est justement une figurine qui vise mal et qui tire sur des ninjas invisibles ou je ne sais quoi. C'est très utile. Alors, on va enlever les 5 et les 6. C'est ceux qui ont réussi à toucher. Quelques tireurs qui sont suffisamment habiles pour avoir réussi du premier coup. Et ensuite, séance de rattrapage pour leurs camarades. Et on rajoute de nouveau les 5 et les 6. Et il y en a un peu plus. Ouais, ça m'a rajouté 5 touches. Maintenant, on va voir si ça baisse. Ce sont des petits fusils de rien du tout, sont force 3. Mais tu es endurance 3. On a la même valeur, ça veut dire 4 ou plus pour le tir à te blesser. Ce qui nous fait un total de 5 blessures. Ce sont des balles, tout ce qu'il y a de plus standard, il n'y a aucune pénétration d'armure. Quelle est ta sauvegarde ? 5+. Donc, j'ai des bonus si jamais je suis à couvert, mais là ce n'est pas le cas. Très bien. Tu veux que c'est un joker ou pas ? Je me doute que tu vas peut-être encore faire des tirs supplémentaires avec tes avocs derrière. Je préfère me garder pour un quart. Ok, alors 5 jets de sauvegarde. Je me dis, je vais quand même bien en réussir un. Allez. Et si jamais j'ai... Ah bah non, si j'ai un survivant, ça n'avance pas beaucoup. Et j'ai encore l'arme lourde qui va tirer après. Ah ouais. Qui fait 3 tirs. Ah, pas facile. C'est difficile. C'est un choix. Ça peut faire la différence entre la victoire ou la défaite de la partie. Ça se joue parfois à rien. Du coup, auto 6 ou pas auto 6 en sauvegarde ? Est-ce qu'il a vu l'avenir ou est-ce qu'il n'a pas vu l'avenir, ce rangeur ?
Allez, j'ai commencé à investir pour les sauver, on va continuer. On va mettre un 6. Tu utilises ton dernier fil du destin de tout ce monde, et du coup, tu n'as que 4 sauvegardes à faire au lieu de 5. J'en ai réussi 2, raté 2. Ça fait donc 2 morts. Seulement 2 morts. Ah, ils ont bien résisté. Alors lesquels tu veux en fait? Tu veux sans doute garder celui qui est en contrôle du point. Ouais, et celui qui est suffisamment proche du Visark pour le protéger. Donc tu vas enlever ceux qui étaient un peu au milieu de la chaîne. C'est ça. Très bien. Maintenant, on va faire les 3 tirs ici de la mitrailleuse. C'est une arme lourde, elle a normalement un moins 1 pour te toucher car c'est une infanterie qui n'a pas de griffe stabilisatrice. Mais comme tu as déjà mis un moins 1 avec ton stratagème, ça me passerait un moins 2 pour toucher en version 9. Pour toucher et pour blesser, on ne peut jamais dépasser plus que plus 1 ou moins que moins 1. Donc là, je vais te toucher comme les autres sur du 5+, relançable. Bien du tout, relançable grâce à mon stratagème. Oh, 3 touches. Alors cette arme est un peu plus dangereuse, elle doit être force 4 si je ne dis pas de bêtises. Du coup, ça va me blesser sur 3 ou plus. Je vais aller vérifier. Je pense que ça doit être force 4, pénétration d'arme, 2-0 dégâts. Mais effectivement, là, ça va m'aider à te blesser. Alors, je vais regarder pour ne pas m'avantager inutilement. Chaos cultiste, mitrailleuse, c'est bien ça. Force 4 contre endurance 3, je te blesse donc sur 3 ou plus. Allez, il suffit que j'en tue 1, c'est jackpot. 3 blessures, 3 sauvegardes, il n'y a pas de pénétration d'arme. Sur du 5-6. En fait, j'en viens à me dire que maintenant, ce serait mieux qu'il meure. Qu'il meure? Ouais, qu'il soit effectivement tous rasés plutôt qu'il en reste un seul en vie. Mais pourquoi? À cause de l'incarne. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, l'incarne? Eh ben, on verra bien. Du coup, on va espérer tous les rater. Du coup, je me dis, j'aurais peut-être pas dû mettre toutes ces règles pour les sauver. C'est parce que t'as des bonus si jamais il meurt. C'est vrai que t'es le dieu de la mort. Alors, l'incarne, c'est le demi-dieu de la mort, au final. Non, mais il y a une règle pour se téléporter là où il y a des gens qui meurent. Oh, si t'es... Ça peut être une unité amie ou ennemie. Si une unité est entièrement détruite, il peut... Gratuitement disparaître et revenir. Ouais. Et du coup, si jamais il fait ça, et ben, il va reprotéger le bizarre. Et il sera plus visible de tes canons laser. Du coup, j'aurais mieux fait de sacrifier les rangers depuis le début. Mais il n'est peut-être pas trop tard. Et ben, t'es le retour dans la situation. Pauvre ranger. Alors, est-ce que les rangers meurent ou pas? Suspense. Sauvegarde sur 5 ou 6. Sauvegarde sur 5 ou 6. Ils meurent. Ils sont tous loupés. Moi, j'ai envie de dire bravo, mais visiblement, t'es contente aussi. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée. Alors, avant de retirer la dernière figurine, je vais ressortir la règle exacte. Comment ça se passe? J'ai éliminé une unité, je suis content. Oui. Mais d'un seul coup, je me rends compte que du cadavre de ce petit ranger sort un dieu. C'est ça. Alors... Ensuite, ça change tout le placement de la partie. Mort inéluctable. Alors, ça dit que je pouvais placer l'incarne aussi en réserve, mais là, en l'occurrence, j'avais pas le droit parce qu'il coûte trop de points d'armée. Si cette figurine est sur le champ de bataille, quand une autre unité est détruite, ami ou ennemi, avant de retirer la dernière figurine de l'unité, vous pouvez retirer cette figurine du champ de bataille et la placer à 1 pouce de la figurine concernée. Ah oui. Quand cette figurine est placée de l'une ou l'autre de ces façons, elle ne peut pas être placée à portée d'engagement d'une figurine ennemie, elle ne peut pas arriver au corps à corps, et jusqu'à la fin du tour, elle n'est pas éligible pour déclarer une charge ou accomplir une intervention héroïque. Du coup, ben, du tour. Du tour. Ben, tu t'en fiches, tu charges pas pendant mon tour. Oui, voilà. Ah ouais, donc c'était important que tu meurs pendant mon tour, en fait. Exactement. Ah. Du coup, on va retirer l'incarne. Hop. Il a senti la puissance des Ameldar se libérer. On va le mettre à... Hop là. En profiter. Moins d'un pouce. Oh là là. Hop là. Avec un petit pied sur le pion motif. Et le ranger ensuite disparaît. Voilà. Attends, je vais juste vérifier qu'il soit bien à portée pour protéger le bizarre avant que tu l'enlèves. Ah. Parce que si ça se trouve, je vais encore bouger un tout petit peu mon placement. Où est-ce qu'il y a un maître ruban? C'est celui-là. Ah. Il est là. Alors, suis-je à 3 pouces de... Oui. Oui. Très bien. Et ben voilà, on peut retirer le ranger. Ah, ça c'est sacrée surprise. Sur le pion objectif. Effectivement, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est sûr de protéger les canons laser? Et bien, pour 2 points de commandement, j'ai un stratagème très fort de Skanesh qui permet de faire retirer une unité à la fin de la phase de tir. Et là, à la fin de la phase de tir, ils n'ont plus de cible. Bon, j'ai mis beaucoup de ressources pour protéger des rangers qui sont morts, mais j'ai des skimmers. Bon, tant pis, c'est comme ça. Ça
Ça alors, donc là c'était le tir de cette unité là. Et maintenant, du coup, comme tu as une figurine qui a plus de 10 points de vie, qui a 3 ou moins, le visard qui est protégé. Donc je peux pas te tirer dessus avec ces cultistes. J'aurais dû commencer à dire que je plantais un drapeau ici à la fin de la phase de mouvement. Mais ça, au pire, ouais, c'est vrai. Je tirais en lâchant mon drapeau, mais j'avais pas deviné qu'il se passerait tout ça, terrible. Et mon chef, pareil, il peut tirer sur personne. Ah, tu m'as bien vu avec ton mouvement là. Oh, quelle sorcellerie. C'était le truc de la mort. Ok, ben fin du tir alors. Tout va dans mon armée là, du coup, on peut pas tirer et eux non plus. On va passer à la phase de charge. J'ai bien entendu absolument pas envie d'aller charger le dieu de la mort avec des cultistes. Ah bon. Donc ça va être ensuite phase de corps à corps. Il y en a pas. Phase de morale. S'il y a des unités qui ont eu des pertes et qui en sont encore avec au moins une figurine sur la table, on regarde s'il y a des fuyards. Là, ce n'est pas le cas. Du coup, fin de mon tour. À la fin de mon tour, on va pouvoir regarder si je remplis l'assaut direct et ou la longue guerre. Alors, j'ai effectivement détruit entièrement une unité qui était en contrôle d'un point. Oui. Ce qui fait que la longue guerre me donne déjà un point de victoire. C'est pas mal. Supplémentairement à ça, assaut direct, il fallait faire quoi déjà? Il fallait que Il fallait aussi tuer une unité ennemie à portée d'un pion objectif. Et prendre un pion qui n'était pas à moi au début du tour. Ouais. Ce qui est le cas ici, non? Oui, ce qui est le cas ici. Vu que je remplis les deux conditions, ça me donne 3 points de victoire, je crois. C'est ça. Très bien. Donc assaut direct m'en donne 3. 3 points qui sont sur un maximum combiné avec ceux du dessus ici. De 45 au total. Vous pouvez le voir, selon les catégories, il y a un plafond pour éviter qu'on marque tout notre score d'une seule t'as façon. T'as pas oublié quelque chose aussi pour la longue guerre? Je crois aussi que tu avais deux conditions qui pouvaient te donner du score. Il y avait un point si je tuais quelqu'un, et un point si je prenais le contrôle d'un pion qui était à toi avant. Ah oui, et là ce n'est pas le cas. C'est ça, tu as pris le contrôle d'un pion qui n'était à personne avant. C'est ça. C'est la fin de mon tour. Ça s'est plutôt bien passé, si ce n'est cette petite surprise. Et bah du coup, ça va être le tour 1 d'Amélie qui va commencer. Alors Alors, début du coup de ta phase de commandement. Tu gagnes un point de commandement, tu passes de 1 à 2. Et je n'ai pas d'autre aptitude qui vont se déclencher maintenant. Si ce n'est que là, on va regarder éventuellement le score, le contrôle des pions objectifs, ce genre de choses. Grâce à ton mouvement, hop, ici, l'incarne est en contrôle du point. On va pouvoir mettre comme moi pour la même raison un non, petit point. Parce qu'il n'a pas la règle d'objectif sécurisé. Ah oui, c'était que sur les unités avec objectif sécurisé. Oh. Oui, je l'avais mis là parce que c'est toujours utile au cas où tu as d'autres choses à faire pour bouger, mais non. C'est tout pour ton commandement là, je crois bien. Assaut direct, c'est la fin du tour, donc c'est tout. On va passer à la phase de mouvement. Ça va aller vite, j'ai littéralement deux figurines sur la table. C'est vrai. Ben, c'est parce que tu as des figurines en renfort. Et puis cette figurine, elle doit compter pour 10, moi je trouve. C'est un peu ça. Elle fait un peu peur. Alors. Mais c'est vrai que t'as que deux figurines. L'incarne a un mouvement de 10 pouces lorsqu'il a tous ses points de vie. Et là. Oui, tant qu'il a au moins 7 points de vie. Donc il est toujours avec ce profil maximum. Donc il a un mouvement de 10 pouces. Et il a le mot-clé vol. Il a le mot-clé vol, donc il peut passer par-dessus les figurines, les éléments de terrain sans être ralenti. Quoi que ce soit, il est très mobile. Je pousse un peu ça. Alors, est-ce qu'il pourrait aller se mettre là et que son socle ne fasse pas qu'il soit engagé au corps à corps contre toi? Parce que je n'ai pas le droit de me déplacer pour arriver au corps à corps d'un ennemi. Simuler, pour voir ça. Oui, oui, on dirait. C'est bien. Je vais tourner par là. C'est pas plus joli. Okay. Quelles sont la portée de son tir? Donc là, en plus, tu es dans la zone de déploiement, partiellement. Ouais, mais partiellement, ça change rien. Il faut être entièrement dans la zone de déploiement pour que ce soit... Que derrière la ligne ennemie te donne du score. Voilà. Ok. Coucou les cultistes. Ils sont là. Vous avez tué mes copains. Maintenant. Portée de 6 pouces. La vengeance. Son arme, ça tire. Ouais, maintenant ça tire. Ça tirait pas en version 8. Il peut tirer, c'est bien. Enfin, en version, même avec le codex, avant, en version 8. C'est quoi comme tir? C'est son épée qui tire? C'est son tourbillon d'énergie des armes. Ah, son tourbillon, ça tue les gens. Ouais, et ça tue les gens en tourbillon. C'est-à-dire, ça attaque tout le monde autour. Toutes les unités? Ouais. Qui sont à portée? Ouais. Ah. C'est un genre de lance-flamme, mais en zone autour de soi. Ça auto-touche? Ça auto-touche. Ça auto-touche? Ça auto-touche. Mais
Il a bien changé là, car entre dégâts divisés par deux, un tir qui n'existait pas en zone, tout au jour de nuit. Il a bien changé et il a changé en bien. Oups. Alors, donc ça c'était le mouvement de la Ça c'était un mouvement. Et ben. Vu que je veux qu'il puisse charger, je vais pas le faire avancer, quoi que ce soit, il est bien validé. Que fait le Visark du coup? Le Visark. Comme il n'a pas d'arme de tir, tu avais dit qu'il ferait peut-être une action de repérage chez l'ennemi. C'est vrai, mais là, il a aussi des gens à charger. Oui. Du coup, ça m'intéresse aussi. Peut-être plus que de faire l'action. Du coup, tu fais un mouvement normal vers moi. Ouais. J'imagine que lui, il va déjà tuer tous ces bonhommes-là. Du coup, lui, il va peut-être foncer vers le milieu. Ouais, il va peut-être foncer vers le milieu. Il y a un mouvement de combien? De 8 pouces. De 8 pouces. C'est plutôt rapide. Il s'élance, mais ce n'est pas agile, tout au centre de la carte. Il se prépare à hacher menu les plus petits de sa lame. De l'épée des cris afan. L'épée des cris afan. Les plus petits n'auront même pas le temps de crier. Parce que... Très bien. Dieu. Pauvre cultiste, on est plein de répression. C'est ça. C'était la phase de mouvement. Phase psychique. Phase psychique. Il va y en avoir, je pense. Ouais. Alors. Il va y en avoir. Parce que l'incarne peut lancer 2 sorts par tour. Et surtout, il connaît tous les sorts de la liste de sorts des Inari, la discipline revenant. Ah, tu connais les 6. Du coup, je vais ressortir de nouveau le codex, histoire de voir ce qu'il y a de mieux et tout, dans ce cas de figure. Alors. Ah, t'es déjà dans mon dos, c'est dingue. T'étais ici normalement et tu te retrouves à l'autre bout de la carte, ça. C'est fou. Peut-être qu'il va lancer un sort pour se soigner un petit peu. Oh, il peut faire ça. Ah, il peut, mais c'est sur des infanteries. Et lui-même n'est pas infanterie. Il peut donc pas se soigner lui-même. Il peut pas se soigner tout seul. Il aurait pu sauver les rangers, Ouais. mais non, parce qu'il est venu à leur mort, donc ça ne marche pas. Du coup, tu vas sans doute plutôt prendre des sorts offensifs ou quelque chose. Oui. Les cultistes, je n'aime pas cher de leur peau. Eh ben, on va faire la tempête de murmures. Ok. Ça a une charge de combien? Ça a une charge de 6. Alors allons-y, il faut que tu lances 2 dés et que tu espères faire au moins 6 pour que le sort soit réussi. 4. C'est raté. C'est loupé. Tant pis. Okay. Mais tu peux manifester 2 pouvoirs. Oui. Chaque moment, tu peux tenter d'en manifester un, l'autre, sachant que chaque pouvoir ne peut être manifesté qu'une seule fois par phase psychique. Même si c'est un autre psycheur d'ailleurs. Vous ne pouvez pas avoir un psycheur qui lance par exemple préscience et un autre qui lance aussi préscience à côté. Le seul pouvoir qu'on a le droit de lancer plusieurs fois, une fois par psycheur différent sur la table, c'est le sort de châtiment que tout le monde connaît, qui est un sort à dégâts assez intéressant. Qu'est-ce que tu fais en deuxième et dernier pouvoir? Alors, je pourrais peut-être faire quelque chose pour donner un bonus au jet de blessure, au Visark. Oh. Mais est-ce qu'il en a vraiment besoin? Parce que maintenant que son épée est plus forte, je crois qu'il a peut-être déjà... Il a une meilleure épée lui aussi? Oui. Tout le monde a une meilleure chose dans ce nouveau livre. C'est ça. Ok. Un cultiste manque une endurance de 3. Ah, il a une force de 5. On peut encore faire un peu mieux. Eh ben, tu peux le rendre plus dangereux. Du coup, on va tenter la grâce ancestrale. Allez, c'est une charge warp de 7. 7, c'est parti, on va défouler au moins 7. J'ai fait 8, c'est réussi. Alors, qu'est-ce que tu veux essayer de l'abjurer déjà? Oui, c'est gratuit. J'ai ici un autre psycheur qui a 24 ou moins. Si je fais strictement plus que 7, que 8, donc 9 ou plus, bien, ce pouvoir est annulé. Non, j'ai fait 3. Eh bien, une unité Inari à 18 pouces de ce psycheur, on va prendre le Visark. Jusqu'au début de votre prochaine phase psychique, à chaque attaque de mêlée d'une figurine de l'unité, ajoutez 1 au jet de blessure. Ok, d'accord, très bien. Voilà. Eh bien, c'est la fin de ta phase psychique. Oui. On va passer maintenant à ta phase de tir. Et aussi surprenamment que ça puisse être, tu en as maintenant une avec cette figurine. Exactement. Ce que je ne savais pas. Alors. Alors. Donc, son tourbillon d'énergie des âmes. Le tourbillon de la mort. Exactement. Qu'est-ce que ça fait? Alors, tu m'as dit que ça faisait plein de trucs incroyables. Ça a une portée de 6 pouces. Ouais. Jusque-là, tout va bien. C'est de type assaut d'Exis. Et ça touche automatiquement, comme un lance-flamme. Oh. Et donc, sa règle énergie tourbillonnante. Chaque fois que cette figurine est choisie pour tirer, son tourbillon d'énergie des âmes peut cibler et résoudre des attaques contre toutes les unités ennemies éligibles. Ah ouais, c'est bien, c'est super.
Là, du coup, tu tires grave. Sauf pour un tir en état d'alerte. Là, faut pas exagérer, je tire que sur ce qui est en train de me charger. C'est bizarre. Qui a un stratagème visible de base, un peu sur. Alors, on va faire la première unité éligible, par exemple, les cultistes ici. Donc, près du centre. Assaut des 6, combien d'attaques? On lance un dé. 4 attaques. 4 attaques qui touchent. Qui touchent forcément. Voilà. Alors maintenant. Maintenant, ça a une force de 7. Une force de 7? Ouais. C'est plus du double de mon endurance de 3, tu vas sur 2 ou plus. Mais c'est super dangereux comme attaque de tir. Ouais. T'as gagné ça. C'est gratuit. Alors, donc force 7, 2 plus pour blesser. 2 plus pour blesser. Ah, y'a un, ouais. 3 blessures. Ouais. Pénétration d'armure de moins 2. Bah, ils ont qu'une sauvegarde sur des 6, c'est une petite tunique peinte en noir, ça me protège de rien. Du coup, j'ai 3 figurines de mon choix ici qui vont décéder. 1, 2 et 3. Emportées par le tourbillon. Ensuite, on va résoudre les tirs. L'unité suivante, corps. Ouais. Voilà. Ça va l'autre se passer un peu pareil. Ah bah, voilà. On a tout pareil. Tout pareil. 4 tirs. Pas de blessure de 2 plus. Bah, 4 blessures. Bah, 4 morts. Aïe aïe aïe. Ok. Ça, c'était ton tir. Mm. Phase de tir terminée. Ouais. On va passer maintenant à la phase de charge. Ouais. Il va y en avoir, j'imagine. Ouais. Alors. Je me dis peut-être que le visard va en fait charger cela et l'incarne cela. Comme ça, l'incarne pourra protéger le visard que. Ah, quand tu tues tout le monde, t'as ton bonhomme qui est devant. Ouais. Les canons... Ouais. Ouais, c'est même sans supposer que je tue tout le monde, je pense que tu vas vouloir battre en retraite ce genre de choses. Donc, voilà. Ouais, c'est super malin. Du coup, l'incarne va déclarer une charge contre cette unité-là de cultistes. Eh ben, c'est parti. Faut réussir ta charge. Alors, entre nous, il y a une distance de 4, quelque chose. Du coup, pour réussir ma charge, je vais lancer 2 des 6 et il faut que la somme fasse au moins 4. Puisqu'on est considéré comme engagé au corps à corps avec des figurines ennemies, si on est à 1 pouce ou moins. D'où le fait que le virgule quelque chose ici est offert. Ça va, faire 4 normalement. 4 avec 2 dés. Tu devrais y arriver. 6. C'est bon. C'est tout bon. Est-ce que tu veux te mettre juste là pour contrôler aussi le point? Tu veux te rapprocher de mon chef? Tu veux... Avec 6, ça te laisse un peu de marge de manœuvre. Après, si tu veux protéger ton bonhomme, tu veux peut-être rester là. Comme ça, pour le but, s'il se met là, avec sa charge que lui, il va faire. Si tu vas trop loin, il faut que tu sois à 3 pouces pour te protéger. Ouais. Ouais, on va rester près des cultistes pour le moment. Tant pis pour le sorcereur, ça viendra après. Hop, mais comme ceci. Ouais. Tu es engagé ou pas, quoi. Ensuite, est-ce que tu as une autre charge à déclarer? Oui. Le visard va déclarer une charge sur les cultistes. J'hésite à dépenser un point de commandement pour faire le tir en état d'alerte dont on a parlé. C'est sans doute une mauvaise idée, je ne vais pas le faire. C'est parti, alors quelle est la distance? Ça aurait été un stratagème qui m'aurait permis de tirer pendant le tour d'Amélie, comme elle me charge, mais je touche que sur des 6, ce qui n'est pas terrible. Mais vu que là ils sont déjà à moitié morts et que c'est une unité qui fait déjà pas très mal, c'est sans doute pas super. Il y a 3 pouces et quelques entre nous. Ça devrait aller. C'est encore plus facile que tout à l'heure. 8. C'est réussi. Tu veux rester sans doute en contrôle du pion. Ouais, si je veux rester en contrôle du pion, ça m'arrange. Tu traverses ici les fenêtres, tu es de type infanterie, et ce terrain a le mot-clé franchissable, ce qui fait que tu n'as pas besoin de faire tout le tour du bâtiment ou je ne sais quoi, tu peux te faufiler et à travers le mur comme s'il n'existait pas, et hop, tu as réussi ta charge. Fin de la phase de charge, on passe à la phase de corps à corps. Nos figurines qui sont éligibles pour taper, qui sont par accord et qui ont chargé, vont pouvoir se taper les unes les autres. Contrairement au tir, on va tous les deux faire taper les gens. Mais, pour savoir qui tape en premier, on fait d'abord frapper toutes les unités qui ont chargé. Puis, s'il y a des survivants, ce qui est important parce qu'il n'y en aura sans doute pas, eh bien, en théorie, ensuite, on alterne pour savoir qui peut taper en commençant par le joueur dont ce n'est pas le tour. Donc là, Amélie fait taper toutes ses unités qui ont chargé, puis moi, une unité à moi, puis Amélie, une à elle, et ainsi de suite, jusqu'à temps que tout le monde ait fini de se taper. Alors, je précise ceci dit que les Inari, donc c'est une espèce de sous-faction, c'est un peu comme un vaisseau monde. Tout à fait. Et ils ont donc une règle de sous-faction, comme toi tu as des règles spéciales parce que tu es Black Legion. Eux, ils ont la force des morts, ça s'appelle. À la phase de combat, oui. Si une unité est à portée d'engagement d'un ennemi, c'est le cas des deux, elle peut combattre en premier. C'est-à-dire je combats toujours en premier. Ah, comme si tu avais chargé. Oh ouais, c'est pas mal. Donc, même si moi je te charge, tu me tapes avant que moi je puisse te taper. Ils avaient pas ça avant non plus. Hein. Il y avait un truc qui ressemblait. Si, c'est ça, ça, il y a ça. Il fallait qu'il y ait des gens qui meurent. C'est ça, il fallait des gens qui meurent d'abord. Ouais. Attends, c'est tout le temps, toute la partie.
Et il y a un autre bonus encore. Et il y a un autre bonus qui là va pas me servir sur eux, mais pourquoi pas. À chaque attaque d'une figurine donc Inari chez moi, si cette unité est en dessous de son effectif initial, ah, donc tu as un certain nombre de morts, ouais. J'ai un plus 1 au jet de touche. Oh, t'es plus. Aussi bien au tir qu'au corps à corps. Oui. Oh. Donc si les rangers avaient survécu, ils auraient mieux visé. Oui. C'est pas mal. Ok, d'accord, intéressant. Très bien. Alors. Bah, ils vont taper en premier, ils tapent même super en premier. On va commencer par Lincarn. Allez, Lincarn, tout la grande star de la partie. Il a comme arme Vilizar, l'épée des âmes. Vilizar. Alors, maintenant cette arme a deux profils, au corps à corps. J'ai le choix entre faire des coups d'estoc, donc des coups un peu précis et qui vont faire très très mal, ou bien des coups de taille, des coups un peu moins mortels, mais qui balayent tout sur leur passage. Là, il est cultiste. Voilà, c'est ça. Donc là, on va faire des coups de taille. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que ben, ça fait que je fais deux fois plus d'attaques. Alors, il a combien d'attaques, normalement? Normalement, il en a 6 quand il a tous ses points de vie. Mm. Du coup, là, il va faire 12 attaques. 12 attaques. Qui vont être, alors je dis tout de suite tout le profil, force utilisateur ou force 7, pénétration d'armure de moins 4, dégâts 1. Voilà, moins 4. Voilà. Tu touches sur 2 plus, bien sûr. Bien sûr. Alors allons-y, 12 dés, et tu me touches sur 2 plus. Brave cultiste. Donnez votre vie, petit dieu du chaos. C'est la moindre des choses. Sanesh pensera à vous une demi-seconde. Elle sera contente de vous voir souffrir. Oui, j'allais dire, le Vizark peut peut-être faire quelque chose pour aider, mais non, il donne des bonus pour les unités bases proches. Ah. C'est vrai que maintenant que je suis passé à un codex V9, ça fait partie aussi de ce genre de mise à jour qui existe. Lui, ce n'est pas une unité base du tout. Non. Alors allons-y. Tu touches du coup sur les 2+. 2+. On enlève les éventuels 1. Hop. Puis force 7 contre endurance de 3. Tu as le double ou plus, tu laisses sur 2+. Ça fera autant de morts, tout simplement. Vu que ça passe mon armure, j'ai qu'un seul point de vie. Eh bien, ça fait 9 morts. Ça tuerait 9 cultistes. Il y a moins que 9 cultistes dans cette unité. Elle est donc détruite. Ton truc de saute-mouton des morts, là, tu peux le refaire, là, de toute la partie Chaque fois, je peux, oui. D'accord. Ok, c'est pas un one-shot, quoi. Non. Ok. Bon, après, là, t'es déjà bien placé, parce que tu protèges ton bonhomme, mais... Ouais. Voilà. Hop. Maintenant, j'ai le droit, si je le souhaite, à un mouvement de 3 pouces pour me rapprocher de la figurine ennemie la plus proche, c'est-à-dire des cultistes qui sont là. Je pense que je ne vais pas le faire. C'était son activation, ouais. À lui, ou à elle, d'ailleurs. Je crois qu'elle est androgyne, hein. Il est ni homme ni femme, figurine, non? Oui, je ne sais pas. J'imagine que ça dépend du corps dans lequel il a été invoqué. Parce que là, il me semble qu'il a une partie masculine sur sa droite et une partie féminine sur sa gauche. Ça ressemble beaucoup trop à Slaanesh pour que ce soit... pour que ce soit valide. Non, je refuse. Alors, et du coup, maintenant, c'est au Vizark, du Vizark. Garde du corps d'Ivraine. De montrer que même sans Ivraine, il peut faire des trucs. Alors, il a combien d'attaques? Alors, il a 5 attaques. C'est parti, tu touches sur lui de plus. Oui. Tout qui touche, c'est bien. Pour blesser, force plus 2, donc ça fait force 5, mais on retient que grâce au sort que j'ai lancé tout à l'heure, plus un la grâce blesser. Ancestrale, j'ai un plus 1 pour blesser. Force 5 contre endurance 3, tu blesses sur du 3 plus, t'as un plus 1, 2 plus lui aussi grâce à ton pouvoir. Très fiable tout ça. La tout qui blesse, pénétration d'armure de moins 4 également. Ça fait 5 morts. Ouais. Dégâts 2. Bon, voilà. J'hésite à savoir est-ce que je laisse un type engagé au corps à corps pour t'embêter. Ou. Maintenant tu tapes en premier, tu vas le tuer. Je vais plutôt laisser un type pas au corps à corps. Bien, bien long. Je précise que maintenant, le petit bonus avec le nouveau codex de l'épée des cris à folle, c'est que à chaque jet de blessure de 4 ou plus, donc là par exemple j'en avais fait 3, tu n'as pas le droit de sauvegarde invulnérable contre l'attaque. Waouh, comme ce que je voulais faire avec mon pouvoir, c'est très très fort. Sur 4, 5 ou 6. Waouh, il est effrayant en duel de chef du coup. Ou pour tuer des démons. Ah non. Alors, maintenant, le Vizark a tout de même le droit à un mouvement de 3 pouces de consolidation. Pour se rapprocher de la figurine ennemie la plus proche. Ouais. Ce qui l'éloignerait du point. Oui, c'est vrai que ça l'éloignerait du point. Il n'est pas si mal. Oui, c'est vrai. Oui, allez, tant pis pour le cultiste. Ok. Il va partir au moral, on va espérer. Peut-être. Maintenant,
c'est à moi de riposter si je souhaite avec une unité. Mais elle n'est plus engagée au corps à corps. Ses copains sont morts, donc elle n'a plus le droit de taper de gens. Le corps à corps d'Amélie est fini, on passe à la fin de son tour. Fin de son tour, face de moi. Y a-t-il une unité sur la table en vie ou unité perte? Oui, celle-ci. C'était l'unité de 10. Il est tout seul, donc il y a eu logiquement 9 morts. On fait un test de morale. On lance un dé de 6 et on rajoute, hop, le nombre de morts. Le nombre de morts. 6, c'est beaucoup. 6 et 9. 15. On compare ça à la valeur de commandement de l'unité. C'est, je crois, de 5. Si je fais plus que 5, ce qui est le cas, j'ai fait incroyablement plus, le test est loupé. Il y a donc une figurine qui est déclarée fuyard, c'est comme si elle était morte, on l'enlève. Et s'il y avait encore d'autres figurines dans cette unité, ensuite il y aurait un petit test d'attrition avec d'autres fuyards qui auraient pu peut-être partir. Mais là, déjà avec ça, l'unité est détruite. Bon, et ben j'ai les 20 cultistes qui sont morts. Ouf, y a plus grand chose, hein. Ça a bien vidé la carte. Ouais. Ok. Impressionnant. À la fin, pour fin du tour, tu vas peut-être remplir quelques, ouais, quelques objectifs de score. Les points pour l'assaut direct. Alors, tu gagnes donc deux points de victoire, déjà, parce que tu contrôles un seul pion-ci que tu ne contrôlais pas au début de ta phase de commandement. Et en plus, tu as détruit une unité qui était en contrôle du pion, ce qui te fait remplir la deuxième condition. Et quand on remplit deux conditions, ça passe, comme moi tout à l'heure, à 3 points de victoire. Tu passes donc à 3 sur 45, pour les mêmes raisons que moi tout à l'heure. Et voilà. Et c'est tout, je crois pas que tu es rempli de, pour l'instant, de d'autres objectifs. T'es ici finalement pas entièrement dans ma zone de déploiement, donc il s'est rien passé d'autre. Et ben, round 1 impressionnant. Et on passe du coup au round numéro 2. Il y aura eu déjà pas mal de morts sur ce round 1, alors qu'on s'était plutôt bien caché. Tout toi. Début du round 2, on va refaire les fils du destin. Et oui, alors voyons voir, quels sont les dés que tu auras le droit de modifier. Je pense que je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre les sauvegardes. Ça paraît pas mal. Voilà. Ok. Je vais les mettre par là-haut. Tu as donc deux sauvegardes qui feront un 6 automatiquement quand tu le désiras. Ce qui est pas mal. Alors, phase de commandement. Eh bien, je vais gagner un point de commandement, passer de 2 ici à 3. Puis, on va enfin regarder les objectifs principaux aussi ici. Est-ce que je contrôle au moins un objectif? Oui. Oui. Est-ce que j'en contrôle deux? Enfin, vu que tu as pu tous mes gars qui étaient là, non. Plus que toi, non. Un, donc non. Donc, je gagne 4 points de victoire ici. Ce qui va me faire passer du coup un total déjà de 7 sur 45 grâce à ça. Hop. Voilà pour les objectifs principaux. Ensuite, on va maintenant regarder si j'ai des troupes avec objectifs sécurisés qui contrôlent des points. Ben, t'as tué tous mes cultistes, c'était les seuls troupes qui avaient objectif sécurisé. Oui. Donc à part ce point-là, il n'y a plus jamais de point à moi qui bénéficiera de cette règle pour cette partie en tout cas. Oui. On va du coup pouvoir passer à la phase de mouvement. Alors, à la fin de cette phase de mouvement, comme on est au round numéro 2, c'est là que les renforts sont autorisés à venir. Et vous vous souvenez que j'ai ma nouvelle unité de Terminator, que je suis impatient de voir en pleine action, qui va justement pouvoir du coup arriver à la fin de cette phase de mouvement. Je vais déjà aller les chercher chez les ennemis ici, sous la table. Hop, 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 hop. Mon Dieu, ils sont magnifiques. Ils sont terrifiants. Très bien. Donc je vais faire mon mouvement en sachant que ces renforts arrivent. Ils viendront où je veux sur la carte, à condition de laisser un espace de sécurité d'au moins 9 pouces par rapport des figurines. Toutes les figurines que Amélie a déjà sur la table. Donc on imagine qu'il y a une sorte de grande bulle de protection un peu comme ceci, et je, en gros j'ai un genre de U ici, je peux me mettre où je veux, comme ça. C'est des unités de corps à corps, donc elles vont sans doute venir à 9,1 pouces, donc le minimum de ce qu'ils peuvent faire pour essayer de charger tes unités et les détruire. Ça me fait un peu peur parce que tu as cette histoire que tu tapes en premier. Oui. Du coup, en fait, je vais peut-être te charger et mourir. Oui. Ah, mais t'as pas d'arme de tir, je crois. Sur le Terminator, non, vraiment que des griffes, donc faire ce qu'ils peuvent. Alors, on va faire le mouvement du coup des autres figurines. J'ai ici bien sûr Léavok qui pour l'instant voit un d'entre eux, le Visark, et c'est tout. Ils vont faire un mouvement de 6 pouces pour hop, aller se mettre sur un pion objectif. Sur un pion objectif de façon à peut-être gagner plus de scores au prochain tour. Et surtout être tous capables d'avoir de meilleures cibles que rien du tout. Oui. Ce qui n'est pas très dur. Hop là. Et le sorcereur, alors s'il ne bouge pas,
Il a la possibilité de faire double tir avec son arme, comme il est à demi-portée, il est en contrôle du poing. En même temps, il veut peut-être un peu se cacher. C'est pas facile. C'est pas simple de savoir où le mettre. Les Terminators qui vont arriver à plus de 9, je pourrais les mettre sur le point ici. Comme ça, s'ils loupent leur charge, ils sont au moins sur un point. Ouais, c'est pas mal. Et en plus, ça donne le choix entre soit avoir les Avox, soit les Terminators. Donc toi, tu es une espèce de corps à corps qui joue à saut de mouton pour me dessiner. Il vaut mieux éviter que toute mon armée soit au même endroit. Tu auras aussi tes renforts à toi qui sont des corps à corps qui vont arriver. Et c'est Rast qui va venir juste après mon tour. Du coup, ton sorcereur arrive en où? Sorcereur, c'est une bonne question. Hein. Il veut peut-être pouvoir essayer de tirer sur le Visarc. Il faut qu'il puisse être plus proche du Visarc que de l'incarne, ça m'a l'air difficile. C'est pas possible. Vu la taille du truc. T'as trop bien joué ton mouvement. Franchement, impressionnant. Alors, comme sort, je vais donner un plus 1 pour toucher à quelqu'un. Et enlever l'invulnérable à 12. Il faut que je reste à 12 de ce truc-là. Ah oui, ouais. Donc, je peux pas m'enfuir bien loin. Hein. Je pense que je vais faire un petit mouvement en arrière par ici. Voilà, c'est ce que je veux dire. Un petit mouvement normal. Comme ça, ce sera plus dur pour moi de faire venir mes renforts. Exactement, je sais que ce point-là va rester à moi. Fin de ma phase de mouvement. Hop, étape des renforts. Ils arrivent. J'en ai parlé juste avant. Ils vont arriver par là-haut. Cette unité redoutable de Terminator, voilà. Je n'ai pas encore choisi qui vont charger d'ailleurs. Alors, voyons voir ça. Au hasard, je te conseillerais Visarc, mais. Ouais, ça m'a l'air un peu triste, tu fais beaucoup d'attaques et tout. Mais bon, tu vas peut-être me tuer si je charge le gros. Ouais, on va sans doute charger Visarc. Puis Visarc, c'est mon seigneur de lire quand même. C'est vrai. Fin de la phase de mouvement. Phase psychique et bien jambée. Je peux manifester deux pouvoirs. Je vais tenter tout de suite de faire le plus important, à savoir. Le maléfice fatal pour enlever la sauvegarde invulnérable de cette figurine. Ça, c'est le sort que j'ai envie d'abjurer à tout prix. Il y a une charge warp de 8. Oh, il est difficile à lancer. C'est ça, il faut qu'avec 2 dés, du coup, eh bien, je fasse 8 ou plus. C'est pas si simple. Allez, on croit. 10. Et en plus, il va être dur à abjurer. Parce que bien sûr, tu dois utiliser une de tes deux abjurations pour tenter de te protéger de ce sort. Il faut que tu fasses 11 ou 12 au dés. C'est raté. Est-ce que je mets un point? C'est 11 ou 12. Même si tu utilises ce que je devine, tu veux faire un point de commandement pour faire le stratagème dit de relance, qui vient de vivre de base, tout le monde peut le faire. Ça permet de relancer un jet de dés parmi une liste, une grande liste, pas tout à fait tous les jets du jeu, mais abjurer un sort en fait partie. Et 4 pour un de tes deux points de commandement, tu pourrais relancer ces deux dés. Mais il faut quand même faire au total 11 ou 12, c'est peu probable. Ouais, mais c'est important. Le jeu en vaut la chandelle. Ouais, je pense que c'est suffisamment important pour que je le tente. Tu vas du coup tenter le coup parce que ça te fait vraiment trop peur. Ouais. Et je te comprends. Tu vas passer un point de commandement et pouvoir relancer G en, ma foi, tentant de faire un très très haut score. On sait jamais. 10. Oh, presque. Tout pile, pas abjuré. Ouais. Ah. J'ai pas un truc pour avoir un plus un quelque part. Ben non, le Girinx il n'existe plus et puis c'est pas la garde qu'il a. C'était mon premier pouvoir psychique. Mon deuxième pouvoir psychique, je suis à 18 ou moins de cette unité, j'ai pas besoin de l'avoir, même si du coup les missiles contenaient entre vous, je peux tenter de manifester préscience. C'est parti, chargeur de 7. 6. C'est raté. Encore une abjuration, toi. Oui. Donc si je fais ce que tu viens de faire pour réussir à lancer ce sort, pour faire sur eux, tout ça pour avoir un plus 1, il faut quand même que je réussisse mon jet, que tu l'abjures pas et tout. Je vais accepter de l'avoir loupé, je pense. Ça va mieux. Voilà pour ma phase psychique. C'est pas mal, j'ai enlevé ta grande protection. Je suis déjà assez satisfait de mon sorcier. On va passer à la phase de tir. Alors, c'est parti. Cette unité tire sur... Paf! La seule cible valide pour eux, à savoir... L'incarne. Et là, on va faire l'agilité hors pair sur l'incarne, pour te donner un moins 1 pour me toucher. Mon sergent, ici, qui a un fusil plasma combi, va tirer pas en combi et ne va pas surcharger ses plasmas. D'accord. J'ai des options sur ses armes de tir, je dois choisir s'il fait plus de balles ou des balles plus fortes, il risque de mourir en se faisant. Je le mets vraiment sans option, ça paraît mieux, dans ce cas de figure. Comme stratagème, il y a moins 1 pour te toucher.
Dans ce cas, je vais tirer en combi avec combi plasma. Puisque tirer avec la partie bolter de l'arme et la partie plasma me donne moins 1 pour toucher. Vu que tu l'as déjà fait et que je passe à moins 2, comme on l'a expliqué tout à l'heure, au toucher, on ne peut pas avoir moins que moins 1. Du coup, ça me donne un tir gratuit sans le malus qui va avec. Il est malin, le Georges. Ensuite. J'ai parlé trop vite, j'aurais dû dire que je faisais mon stratagème. Ensuite, voyons voir. Je me doutais en vrai que tu allais l'utiliser. Je vais sans doute mettre un stratagème pour améliorer ce tir. Est-ce que je veux un plus 1 pour blesser ou relancer un pour toucher? Un pour blesser, c'est quand même pas mal. Je vais utiliser Vétéran de la Longue Guerre, le même que j'avais mis tout à l'heure. Sur 5 ou 6, mon chef digne de confiance me restitue ce point. Ça va fonctionner un jour. 5. Oui, je reste à 3 points. Et bien du coup, pour la peine, je fais que brûle la galaxie pour 1 point, qui dit que je pourrais relancer les 1 pour toucher. Et là, cette fois-ci, Georges ne va pas lancer de dés pour voir s'il récupère ce point de commandement, car quelle que soit la source qui vous permet de le faire, n'importe quel free seigneur de guerre ou autre, eh bien, vous ne pouvez pas récupérer plus d'un point de commandement par round. C'est ça. Donc là, pour tout mon round 2, je ne pourrai plus regagner de points de commandement. Je vais maintenant pouvoir résoudre les tirs. On va commencer, comme tout à l'heure, par les tirs de canon laser. Okay. On va les faire à la fin, oui. Ça va te faire stresser. Enfin, stresser. Non, le but n'est pas de faire stresser mon adversaire. Ça va faire que peut-être tu vas avoir peur et tu vas vouloir mettre tes sauvegardes automatiquement réussies sur les petits dés sans savoir si ce sera important ou pas, vu que j'ai des armes qui font beaucoup moins mal. Le monotir de bolter du combi bolter. Ouais. Touche sur 3+. Sur 4+, grâce au stratagème. Oui, c'est vrai, sûr. Du coup, il tire maintenant sur 3+, moins 1, 4+. Ouais, je te vise mal, en fait. Allez, sur 4+, relance des 1. Comme un cultiste. 4, je te touche. Force 4 contre endurance. Endurance de 7. Je te blesse sur 5 ou 6, mais je suis vétéran de la Longue Guerre, donc je suis plus 1 pour blesser. 4 ou plus à la place. 5, ça blesse. Pénétration d'armure de 0. Mon armure est de 3+. C'est réussi. Bon. Ensuite. Là, je n'ai pas gaspillé mon dos. Les deux tirs de plasma. Est-ce qu'ils touchent sur du 4 ou plus? Relance des 1. 6 et un 1 que je relance, qui est loupé. Pour blesser, force 7 contre 7. 4 ou plus 1 pour blesser, 3+. Ça blesse. Pénétration du fusil plasma de 2-3, mais dégâts. Hein. Bon, je vais pas mettre de... Donc c'est réussi sur un 6, donc c'est raté. Tu perds un point de vie. Je passe à 7. Ça, c'était du coup tous les tirs du sergent. On va maintenant faire le canon rotatif Reaper. Avec ses 8 tirs. Il touche sur du 4+. Relance des 1. Il n'y a pas de 1. Beaucoup de 4. Ouais. On va voir s'il blesse. Force 5, endurance 7. 5 ou 6 pour blesser. J'ai un plus 1 pour blesser grâce à mon stratagème. 4 ou plus. Oh, pas mal. 4 blessures. Pénétration d'armure, 2-1. Donc ça fait sur du 4 ou plus pour sauvegarder. Chaque fois, c'est très bien d'un point de vie. Tout à l'heure, je les ai tous ratés. Là, je vais peut-être faire un peu mieux. J'en ai réussi 1. Super. 3 points de vie. Tout ça, ce sont des... les armes qui font un seul point de dégâts. Maintenant, on du passe coup, canon laser. Dégâts divisés par deux, ça ne sert à rien là-dessus. C'est vrai, c'est vrai. Les 3 tirs de canon laser. Allez, sur du 4+, relance des 1. 2 touches. Pour blesser, force 9, endurance 7, c'est du 3+. Plus 1, c'est du 2+. Tout qui blesse. Pénétration d'armure, 2-3. Du coup, sur des 6, c'est sauvegardé. Sur 6, uniquement, ce serait sauvegardé. Et ça fait un des 6 dégâts. Ça fait un des 6 points de dégâts, mais divisé par 2, parce que t'as super règle. Je vais mettre mes 6 d'auto-sauvegarde. Évidemment, tu mets toutes tes fils du destin. L'incarne a vu qu'il allait trépasser s'il ne faisait rien. Il esquive donc au dernier moment d'un geste d'effort minimum les tirs de canon laser en fermant les yeux. Pion, pion. J'ai fini les tirs de cette unité. Mes terminators n'ont pas de tir. Ben, il y a juste mon chef qui n'a le droit que de tirer sur cette figurine. Il va donc le faire. Il a une arme relique, la relique de mon armée, qui est un combi bolter avec un nom spécial, le fléau des anges. Il est de type tir rapide 2. Je suis à demi-portée, 24 c'est 12, je suis à moins de 12, on l'a vu pendant ces mon sort. Du coup, je vais pouvoir faire mes 4 tirs. Il touche normalement sur 3+, tu t'es mis à moins 1 pour toucher, ça dure toute cette phase de tir, c'est pas que contre les Avoc, donc je te touche que sur 4 ou plus. Deux tirs qui touchent, on va voir maintenant si ça blesse. Force de 5 contre endurance de 7. 5 ou 6 pour blesser. Là, il n'y a pas le bonus. J'en ai réussi une. Cette arme est pénétration d'armure
2 moins 1, dégâts 2, je crois. Je vais aller vérifier les caractéristiques de cette arme. Ceci dit, toi, tu divises les dégâts par 2. Mais la pénétration d'armure est importante. Oui, puisque je n'ai plus ma sauvegarde invulnérable. Alors, cette relique vient-elle du livre de base, Codex Chaos Space Marines? Ça ne vient pas de ce livre, ce serait trop facile. Très bien, ça vient donc de Vigilus en flamme. Fléau des anges, PA moins 2, dégâts 2. Cette arme a une caractéristique de dégâts de 3 si la cible a le mot-clé Imperium. Parce que Fléau des anges, non. Pénétration d'armure de moins 2, ta sauvegarde qui est normalement 3+, passe à 5+, et t'as pas le droit à ton invulnérable à 4+. Donc 5 ou 6, tout va bien. C'est raté. Tu perds normalement 2 points de vie, mais divisé par 2 grâce à ta règle spéciale, tu perds qu'un seul. C'était l'intégralité des tirs de mon armée. Mais, à la fin de ma phase de tir, je vais utiliser 2 points de commandement pour faire la cacophonie sans fin. Je passe à 0. On est toujours au round 2, donc je ne peux pas tenter d'en récupérer pour l'instant. Qui dit qu'une unité infanterie de la Black Legion va pouvoir s'activer une deuxième fois si elle est de la marque de Slaanesh. C'est le cas. Les Avok se délectent du bruit assourdissant des balles et des tirs de canon laser et ils vont retirer leur tir sur ta figurine. Ce qui est très fort, c'est que tous mes bonus, que ce soit de pouvoir psychique ou de stratagème que j'ai mis à cette phase, sont encore actifs. Donc ma relance D1 et mon plus 1 pour blesser, tout va recommencer. Je fais exactement les mêmes tirs. Mais mon moins 1 pour que tu touches s'applique toujours aussi. Exactement, les bonus et malus sont toujours là. Rebelote, alors, le tir de bolter du sergent ne touche pas. Les deux tirs de plasma, double 1 relançable grâce à mon stratagème qui brûle les galaxies, une touche. Pour blesser 3 ou plus au total avec mon stratagème, c'est loupé. Puis le canon rotatif Reaper qui fait ses 8 tirs. C'est lui qui m'a enlevé le plus de points de vie pour l'instant. Non, oui, c'est vrai. 7 sur mes 12. C'est fou. T'as pas eu beaucoup de chance, peut-être, sur ces balles. Alors, il touche sur du 4+, relance des 1. Hop, relance le 1. Ok, pour blesser, tu blesses sur 4 ou plus grâce à mon stratagème. Il y a 3 blessures. Pénétration d'armure, 2 moins 1. Donc 4 ou plus. J'en ai raté 2 encore. Il me reste 1 point de vie. 1 point de vie. Il m'a enlevé 9 points de vie, ce canon rotatif. Les canons laser à côté, ils m'en ont enlevé 1. C'est non, vrai. 0, j'ai 1-0, bah, c'est parce que tu mets tes fils du destin sans cesse dessus. Oui, mais non, mais c'est pas juste ça là. Allez, les 3 tirs de canon laser maintenant. Il n'y a même pas eu 9 tirs de canon laser en tout pour l'instant. C'est vrai. Oh, un seul qui touche. Ouf. Une blessure de plus. J'ai plus de points de commandement pour le relancer. 3, il blesse. Pénétration d'armure, 2 moins 3. Sur un 6. Sur un 6, car tu n'as plus de sauvegarde invulnérable, tu survis. Le GD de la partie. 1. L'incarne est détruit par le dernier tir de canon laser. Qui va faire 1 des 6 points de dégâts divisé par 2. 4 divisé par 2, 2 points de dégâts, mais il ne te restait qu'un seul point de vie. L'incarne. Disparaît. Et avant de disparaître, il va peut-être me faire mal encore. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Le cauchemar ne s'arrête pas là. Ah, il a une sorte de règle d'explosion. Oui, c'est ça, il explose. Peut-être. Explosion d'énergie d'âme. Quand cette figurine est détruite, jetez un des 6 avant de la retirer du jeu. Sur un 6, elle explose et chaque unité à 3 pouces subit une blessure. C'est pile à 3 pouces avec l'incarne. Avec le bizarre. Non, elle n'explose pas. Si j'avais fait le 6 pour m'exploser à la tête au lieu de faire un assaut de garde, j'aurais été triste quand même. C'est vrai. Le dieu, l'incarnation du dieu s'enfuit. La neige prend l'avantage, mes amis. Ah non. Bon. Ça va être compliqué. Il y a des renforts encore, si on veut. Mais c'est maintenant que j'ai tué le boss. Je vais pouvoir souffler un peu. Fin de la phase de tir pour de vrai, je vais passer à la déclaration des charges. Cette unité de Terminator charge la dernière figurine en vie sur le champ de bataille de ton côté. C'est parti. C'est qu'il y a 9 entre nous, ben, je peux faire au moins 9 ou plus. Allez. Je précise aussi que la mort de l'incarne a eu un autre effet, oui. Qui est que donc le visarque va s'abreuver de sa mort, de son énergie. Et donc alors ça pouvait le soigner. D'accord, okay, bah, il a tous ses points de vie. Donc, mais surtout, si c'est un personnage qui est mort à côté de lui, c'est le cas, un sacré personnage. Il va avoir plus 1 à son nombre d'attaques jusqu'à la fin de la bataille. Ah, et vu qu'il frappe en premier, ouais. ça peut servir. Allez, charge à 9. 10. Oh,
Les Terminators ont réussi leur charge. Tatatin. Se jette sur toi, soiffé de sang. On n'est pas tout à fait au corps à corps, comme ça avec mon mouvement en engagement, je pourrais mettre un pied sur le pont. Ils ont fini leur charge, j'ai pas d'autre charge, corps à corps. Normalement, c'est moi qui m'active en premier, mais non, tu es Inari. On s'active tous les deux en premier. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Non. Vu que tu as ta règle d'Inari, tu tapes en premier, j'ai chargé, je tape en premier. Quand il y a plusieurs unités de chaque côté qui tapent en premier, on regarde le tour à tour habituel. On l'a expliqué tout à l'heure, on commence par faire une unité du joueur dont ce n'est pas le tour. C'est à mon tour, du coup, c'est en fait Amélie qui va faire frapper une de ses unités, puis moi, je pourrais faire activer le Terminator. C'est parti pour le bizarre. Allez, il va défendre chèrement sa peau. Ah bah c'est dommage qu'il ne reste pas un petit point de commandement qui traîne là. Parce qu'il y a enfin du Slaanesh aussi qui va m'attaquer, sur lequel il aurait pu être rentable de faire des petites choses. Ah, t'avais des bonus. La grande ennemie. La grande ennemie, très bien. Pour une fois que ça peut servir cette règle, mais non. Alors... T'as combien d'attaques du coup? Normalement j'en ai 5, et là du coup j'en ai 6. Et tu t'es approché de l'âme de ton dieu. Tu touches sur 2 plus, je suppose. Oui. Parce que j'ai d'autres stratagèmes à mettre, non? Pour 0 points? Ah oui, pour 0 points, non, ça ne marche pas. Ah, tu peux y aller, chérie. Ok. Sur 2 plus. Sur 2 plus. Ah, qui loupe. On a 1, hop, ça fait 5 touches. Alors, j'ai une endurance de 4. Moi, j'ai une force de 5, et sans doute que mon sort doit peut-être s'appliquer toujours. Oui, c'est même certain. Parce que c'est jusqu'au début de ma prochaine phase psychique. C'est vrai, du coup, tu blesses sur 3 plus, plus 1, 2 plus pour me blesser. Il y a un 1, ça fait 4 blessures. Alors, pénétration d'armure de moins 4. Alors, tu avais une règle bizarre pour enlever les invulnérables aussi. Oui. Tout ça, ça va servir. Oui. Les Terminators ont une sauvegarde normale qui est de 2 plus. Oui. Mais ils ont, grâce à la règle armure Terminator, une sauvegarde invulnérable de 5 ou plus. Oui. Ce qui fait que normalement, ta pénétration d'armure de moins 4 me passerait de 2 à 6. Oui. Mais pas tout à fait. Pourquoi? Parce que il y a eu une tablette d'équilibrage récemment qui a rajouté une règle qui s'appelle l'armure du mépris. L'armure du mépris en français. Armor of Contempt en anglais. L'armure du mépris qui donne à tous les Chaos Space Marines et Thousand Sun, Nurgle, Sororitas et tous les Marines de base du jeu une meilleure sauvegarde, plus ou moins, en faisant en sorte que toutes les pénétrations d'armure adverse, au tir comme au corps à corps, sont réduites d'un point. Si elle était à 0, ça reste à 0. Mais là, ta pénétration d'armure qui est normalement de moins 4. Elle est en fait à moins 3. Elle n'est que à moins 3. Et ça, j'avais ça sur toute mon armée, mes véhicules, même mes cultistes, ils avaient ça en fait. Du coup, ça fait que je vais pouvoir avoir ici une sauvegarde sur du 5 ou 6 grâce à cette règle. C'est très fort, ça rend vraiment beaucoup des armées du jeu qui avaient un petit peu de mal à survivre beaucoup plus résistantes. C'est un des grands changements du jeu récemment. Donc ça fait 4 sauvegardes à 5 plus finalement. Moi, le fait qu'il y ait une partie qui ignore ton invulnérable ne va pas servir. Puisque mon invulnérable est aussi sur 5 plus, ça correspond à la même valeur. Allez, 4 jets de sauvegarde. J'en ai réussi 2 et j'en ai loupé 2. Est-ce que ça fait plusieurs points de dégâts? Oui, 2 points de dégâts. Parce que les Terminators ont 2 points de vie chacun. Eh bien, ça fait 2 points de dégâts. Il y a donc 2 Terminators qui succombent avant même d'avoir pu t'atteindre. Coupé en 2 par l'épée. Il crie à fond. Oh ! Très bien. Je vais maintenant pouvoir enfin activer mon unité. Je fais mon mouvement d'engagement de 3 pouces. Je vais l'utiliser pour hop, me mettre comme ceci et pouvoir du coup avoir une figurine qui a un pied sur le point. Alors, mes figurines vont attaquer. Elles ont toutes normalement 2 attaques. Le sergent d'unité a une attaque de plus. Donc, ça va me faire un total de 7 attaques. Ça, c'est s'ils donnaient juste des coups de poing. Ils ne sont pas équipés avec des fusils, des lance-flammes, des marteaux, je ne sais quoi. Ils ont, comme vous avez pu le voir, tous des paires de griffes lightning, qui sont des armes effrayantes qui font plein d'attaques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand mes figurines ont chargé ou ont été chargées, ils ont une règle de assaut haineux, ou quelque chose comme ça en français, qui dit qu'elles ont droit toutes à une attaque de plus. Et là, je leur rajoute tous une attaque de plus parce qu'ils ont chargé. Et, comme je le disais, le fait qu'ils soient équipés de griffes, pour chacune des griffes qu'elles ont, ça rajoute une attaque. Comme ils en ont chacun 2, ils vont toutes avoir 2 attaques de plus. Voilà, donc c'est 3 figurines qui sont chargées,
vont faire après, un total. Après, on se prend mes Outriders. Hein. Ils vont faire un total de 16 attaques au corps à corps. C'est parti. Je te touche sur du 3+. En avant. Alors, une autre règle spéciale qu'il va falloir que j'explique. J'enlève déjà les 1 et les 2. C'est les coups qui t'ont buté. Pour une fois, je joue des Black Legion et des Chaos Space Marines de corps à corps. Ce qui n'est jamais arrivé puisque je joue toujours que des Avoc qui tirent deux fois et qui se cachent. Là, eux, c'est des combattants de corps à corps. Lorsque je fais un jet de touche de 6, j'active une règle de codex que j'avais déjà depuis longtemps qui s'appelle Mort aux faux empereurs. Ça dit, si vous dites dans votre codex Chaos Space Marines, que si vous affrontez des figurines avec le mot-clé Imperium, vous pouvez relancer gratuitement autant de tentatives de nouvelles attaques bonus pour toucher. Mais cette règle, elle a changé déjà depuis un petit moment. Pas dans la dernière tablette d'équilibrage, mais dans celle d'encore avant. Ça fait maintenant presque un an. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça va faire que, à la place qu'un 6 fasse une attaque bonus potentielle contre l'Imperium, un 6, pas forcément naturel, même si j'avais un plus 1 pour toucher, nanana, fait une attaque bonus tout le temps, pas besoin de les revalider, et même si c'est pas l'Imperium en face. Donc je dis, mort aux faux empereurs. Et moi je suis là, mais tu me parles de qui là? C'est un zéro, c'est tout, tu t'en fous, mais c'est pas grave, je suis quand même en colère à cause de cette histoire que papa il nous aime pas et tout. Et du coup, ça va faire que mes 6 ici vont faire, hop, 2 touches de plus, gratuitement. Mais ce n'est pas tout. Cette unité, comme vous pouvez le voir, a ici sur le dos du chef une bannière. Je l'ai payée avec des points d'armée. Une icône de l'excès. Une icône de l'excès, que je peux mettre sur une unité qui vénère sa neige, ce qui est le cas. Auquel cas, cette règle, au lieu d'être juste sur des 6, elle est sur des 5 ou des 6. Et vu que j'ai fait 2 5 ici, hop là, ça va encore rajouter 2 autres touches automatiques. C'est quand même pas mal. Ce qui nous fait du coup un total de 11 touches. Maintenant, on va voir si ça blesse. Mes figurines ont une force de 4. Contre mon endurance de 3. Je te blesse sur du 3+, et cette arme a une autre règle spéciale. Comme si rajouter des attaques, c'était pas suffisant. Eh bien, je peux relancer tous les jets de blessures loupés. C'est beaucoup de règles spéciales. C'est vrai, c'est une très très bonne arme. Alors. On enlève les 1 et les 2, mais en fait, tu les relances. C'est ça, je vais mettre les 1 et les 2 dans le cratère, là, hop, je les relance. Il y en a qui refait 2. Ça fait tout ça qui appelle bien blessé. 5 et 5. 10 attaques qui ont blessé. Cette arme a une pénétration d'armure, sans aucun doute, et sans doute même plutôt une bonne, je dirais. Ça va avoir bien au moins 2. C'est quand même des armes redoutables, électriques et tout. On va regarder ça. Pénétration d'armure de moins 2, dégâts 1. C'est bien simple. Alors, j'ai une sauvegarde de 2+, pareil, le nouveau codex est passé par là. Mais également, une invulnérable de 4+, qui revient au même. D'accord, sur du 4+, tout va bien. Ouais. Normalement, il devrait s'en sortir avec ses 6 points de vie. Mais jusqu'à présent, mes sauvegardes à 4+, j'en ai raté un sacré paquet, quand même. C'est vrai. Les statistiques ne sont pas de ton côté. Ah, ça a l'air d'aller. J'en ai raté 4. Il me reste donc 2 points de vie. Et ben voilà. Voilà. Tout va bien. On peut les mettre sur le plafond aussi, par exemple. Hop. Hop. Et voilà, j'ai fini d'activer mon unité. C'est du coup la fin de mon tour. Fin de mon tour. Alors, morale. Morale. Ben, toi, tu n'en as pas à faire, mais moi, j'ai les 2 morts. On va lancer 1 des 6 plus 2. Hop, 1 plus 2. C'est moins que mon moral, c'est même parce que j'ai fait un 1 ou un courage insensé. Quel que soit mon nombre de morts, je ne fuis jamais. C'est ça, même les cultistes de tout à l'heure seraient restés. Exactement. Et du coup, on va pouvoir regarder éventuellement pour le score. Alors, qu'est-ce qui se passe? Assaut direct. Est-ce que je contrôle un point que je ne contrôlais pas au début du tour? Je pense que oui, puisque j'ai deux figurines ici en contrôle du point. Du coup, il est à moi. Mais je n'ai pas tué d'unité à toi qui était sur ce point. Le visage. Oui, l'incarne n'était pas sur un point. Donc, ça ne va me donner que deux points de victoire de plus ici. Grâce à l'assaut direct, une règle spécifique à ce scénario. Ça va me faire passer de 3 à 5. Et du coup, ici, sur le maximum, de 7 à 9. Assassinat, j'ai tué un personnage, mais ça se décompte tout à la fin de la partie. Lever les étendards, non. La longue guerre, qu'est-ce qu'il fallait faire? Tuer une figurine qui était sur un point, je ne l'ai pas réussi. C'est pas le cas. Et attraper un point que tu contrôlais au début de mon tour. Au début de mon tour, tu contrôlais ce point-là. Ça me donne, du coup, 2 points de victoire de plus, ici, ce qui me fait passer de 1 à 3. Et c'est la vraie fin de mon tour. On va passer au tour 2 d'Amélie. Il n'y a plus qu'une figurine à 2 points de vie sur la table.
mais des éventuels renforts pour tenter de tout de même me faire quelques dégâts. J'ai toujours voulu jouer les Inari avec des Drukhari. C'est vrai. C'est le moment de me prouver que pourquoi c'est bien. Alors, phase de commandement, tu gagnes un point de commandement. Ensuite, le Est-ce score. Est-ce que je contrôle les pions objectifs? Bah malheureusement non, puisque j'ai mes figurines ici qui viennent t'embêter. C'est ça, moi j'ai une figurine autour du point, toi tu en as deux. C'est donc ça. C'est toi qui contrôle le pion objectif. Exactement. Ok, et eh ben, phase de mouvement. Fin de ton mouvement, tu sais qu'il y aura tes renforts, mais il faut déjà que tu décides que fait ton... Mon visage. Ton seigneur de guerre ici, qui est pour l'instant engagé au corps à corps. Tu sais que tu tapes en premier. Ouais. Donc si tu restes sur place, tu pourras tenter de me tuer encore un ou deux gars. Je pense que je vais le faire. Je vais parce que si tu fuis, tu pourras rien faire d'autre ce tour-ci après. Bah, ouais, avec un stratagème, mais bon, non, ça me servirait pas beaucoup. De toute façon, je vais déjà taper en premier. Ça me suffit. Fin de la phase de mouvement. Les renforts arrivent. Les renforts. Alors, les fameux Sérastes. Alors, on va pouvoir regarder. Elles vont pouvoir atterrir n'importe où tant que c'est à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Tu peux regarder ça vite fait si tu veux. 9, hop. Du coup, ici, tu peux pas. Là, ça recoupe les 9 de E. Là, ça recoupe les 9 de E. Hop. Je peux me mettre mieux, là. Le mieux que tu puisses faire, ce serait ouais, là où il y a mon doigt. Ici, hop. Ok. À moins que tu veuilles te mettre sur le point ici, mais ça m'a pas l'air non, très non, intéressant. Non, non, j'étais tout corps à corps. Elles vont... Ils vont mettre, on tirer là-bas. C'est chacun son tour. C'est moi qui l'ai donné. C'est moi le grand voleur de maître de banc, j'avoue tout, lèvez mes crimes. Mais ça change pas grand chose d'être. Non, ça change pas grand chose. D'être dans l'armée ou pas en plus pour cette figurine-là qui a une façon très peu de sauvegarde. J'ai pas de point de commandement, donc tu sais qu'il n'y aura pas de tir en état d'alerte. Il vaut sans doute mieux que t'ailles charger les avocs qui sont nuls au corps à corps. Bah sinon j'aurais bien changé ton sorcerer, mais les avocs c'est. Je ne peux pas. C'est ça, je ne peux pas. C'est ça. Bah on va se mettre par là. Hop, c'est parti. Les renforts arrivent. Alors. On l'a fait, mais on ne l'avait pas oui, précisé. Vrai, Tout au début de la partie, il y a une règle qui concerne les figurines Drukhari. Les Sérastes. Sérastes, ce qui n'est pas le cas. C'est les drogues de combat. Drogues de combat. Comme elles étaient en renfort et qu'on ne voulait pas surcharger, on a tiré le dé, mais on ne l'a pas montré à la vidéo. Il me semble que tu avais choisi de prendre un bonus aléatoire. Oui. Au lieu de prendre un des bonus parmi le tableau, ils sont tirés au dé. Et tu avais eu quoi comme double résultat? J'avais la métadrénaline qui me donne plus une attaque en charge et l'Ipex plus deux mouvements. Plus deux en mouvement. Mais bon, ouais. Là, vu que c'est une charge, c'est pas un mouvement normal, ça va pas t'aider. Ça va permettre du coup qu'elles aient plus une attaque en charge si elles réussissent à me foncer dessus. Toi, tu l'as réussi, ta charge à neuf. C'est vrai. Moi aussi, je peux. Et t'as un point de commandement pour la relancer si besoin. Ouais. Ok. Ok. Alors, c'est du coup la fin de ta phase de mouvement. Phase psychique, il n'y en a plus. Mm. Phase de tir, lui il n'a pas de tir, mais eux ils ont des genres de pistolets, c'est quoi ces Oui, ils ont des pistolets éclateurs, sauf l'Ecatrix qui a un pistolet disloqueur. Ah. C'est ça, c'est portée 12. Bon, elles vont faire les tirs, hein, on ne sait jamais. Après, du coup, ça peut peut-être, si tu tues quelqu'un, faire que ta charge. Ouais. Vaut peut-être mieux pas en fait. Parce que du coup, quand j'ai des pertes dans cette unité, c'est moi qui choisis quel bonhomme j'enlève. Et si je suis malin, comme mes bonhommes ils sont un peu en pointe, si j'enlève ceux de devant, ça peut faire que tu ne me tapes pas au corps à corps. Alors que tire au mieux, genre tu me tues un gars, au corps à corps, c'est la chance que tu tues peut-être tout le monde, on va savoir quoi. Ça vaut mieux que tu retiennes tes balles pour tenter de t'élancer et me couper avec tes épées, je pense. Oui. Donc fin du tir. Ouais. Tu es pleine de retenue. Puis phase de charge. C'est pas facile pour les Drukhari. C'est vrai. Tu déclares une charge sur les avocs. Oui. Je n'ai pas de réponse particulière. Et là, ça va être un jet de dés très important. Mm-hmm. Il faut que tu réussisses. Ben, tu es à 9,1 pouces. Il faut donc que tu fasses au moins 9 avec tes 2 dés. Allez. Oh 10. Et ben, les charges. Les charges sont là. Elles sont réussites. Premier coup dans cette partie. Je précise, on a dit donc, que j'avais droit à mes drogues de combat, une règle des Drukhari et des Sérastes en particulier. Je n'ai par contre pas le droit à la fameuse puissance par la souffrance. Ah oui. Il faut toujours faire très attention quand on combine des codex comme ça. Là, ici, quand on mélange des figurines de plusieurs factions dans un détachement Inari, ben, on perd quand même certains bonus. Je crois que tu n'avais pas le droit de prendre les objectifs secondaires de Drukhari non plus. Enfin, c'est un peu compliqué, mais c'est précisé dans l'encart Inari un peu comment ça se passe. Oui. Alors. Alors, ben, c'est parti. La charge est réussie. Je pense que les avocs vont passer un sale quart d'heure.
Ils ont l'air tellement gros par rapport à... C'est vrai. Et pourtant, à mon avis, tu vas en tuer quelques-uns. Oui. Hop. J'espère. Hop. Tu pousses le plus en objectif. On est justement dans le cas de figure qu'on avait dit au début de la partie, qu'une figurine a le droit d'être à l'endroit là. Ok. Eh ben, c'est tout pour les charges. On va passer au corps à corps. Les figurines qui tapent en premier, c'est qui? C'est toutes les bonhommes et celles qui ont chargé... Encore les... plus, voilà. Ça ne change rien, en fait, c'est une bonne dans le jeu. Du coup, il faut que tu choisisses laquelle des deux tu fais taper en premier. Et puis tu feras l'autre, ce qui ne change pas grand-chose. Tu veux commencer par quoi? Je vais commencer par les Sérastes. Ouais. Et je vais mettre, cette fois-ci, le stratagème dont je parlais tout à l'heure. Lequel? La grande ennemie. Ah, tu as une marque de Slaanesh, n'est-ce pas? Tout à fait, toute mon armée de Slaanesh, sauf mon sorcier dans cette partie. Et toute la race, Aeldari, les Drukhari, les Inari, tout le monde déteste Slaanesh. C'est vrai. On a un peu, par le passé, aspiré l'intégralité de ton espèce dans un grand repas. Ainsi que les dieux, et maintenant les âmes de tous ceux qui sont encore vivants, elles sont peut-être amenées à être dévorées par Slaanesh. Je peux comprendre qu'il y ait une petite rancune. Alors, pour un point de commandement, j'utilise ce stratagème à la phase de combat entre une unité Azuriani, Harlequin ou Inari. Elles sont Inari. Ah, c'est Drukhari, mais Inari, donc tu peux. Ouais. Ok. De votre armée est choisie pour combattre. Jusqu'à la fin de la phase, chaque attaque de mêlée d'une figurine de l'unité ciblant une unité Slaanesh, vous pouvez relancer le jet de touche et le jet de blessure. Ah oui! Pour un point. Et deux pour un point. Ouais. Il faut dire que des gens, Slaanesh, j'en croise pas beaucoup. Et puis au corps à corps aussi. Ouais, au corps à corps, j'en croise pas beaucoup. Du coup. Ah, mais il est rentable pour un point. Hein. C'est ça. Le jour où ça arrive, de rencontrer des gens de Slaanesh, on est vraiment pas content. Tu m'étonnes que j'étais con que. Heureusement que le visard qu'il a pas pu mettre tout à l'heure, t'aurais encore tué plus de monde. Alors, on va recommencer à compter les attaques. Alors, tout le monde n'a pas la même arme, ceci. Oui. Mécatrix, donc la chef d'unité, a une arme différente. Et celle-ci aussi, non? Elle n'a pas une espèce de... Non, ça c'est tous les mêmes. Ah ouais, c'est tous les lames des Qatari, même si ça a une tête un peu différente. Ah ouais, d'accord. Donc les Sérastes de base, avec leur lame des Qatari, justement. Ouais. Alors de base, elles ont combien d'attaques? De base, elles ont 3 attaques. 3 attaques? Oui. Elles ont des lames des Qatari. Qui donne une attaque de plus. Ouais, t'as la drogue qui est en charge. Et j'ai la drogue, voilà, la métatrice. Encore une de plus. Une attaque de plus. C'est 5. Ça fait 5 attaques par figurine. Des figurines équipées comme ça, il y en a 5. Oui. Donc 5 fois 5, 25 attaques. 25 attaques de l'âme des Qatari. Alors, elle me touche sur. J'imagine 3 plus. Oui. Mon unité est... elle n'a pas été blessée pour l'instant. C'est vrai. Donc je n'ai pas le bonus Inari qui me donnerait un plus 1 objet de touche. Et tu es trop loin, même si tu es de type base, pour avoir la relance du Visark. Je ne peux pas t'encourager pour mieux taper. Eh ben, ça fait encore plus de dés que tout à l'heure. Mais il y a 6 figurines et pas 3. C'est vrai. Du coup, pour toucher du 3 plus. Mais on relance tout ce qui rate grâce à mon stratagème. Ouais. Ça, c'est assez fort. C'est parti. On relance un et les deux à côté. Ouais. Alors, ça tombe bien, il y en a eu un paquet. La chance habituelle sur cette partie. T'as quand même aussi ta charge. Oui, c'était... Pas ce plat. C'était déjà pas mal. Sinon, il y aurait eu 0 de toutes ces millions d'attaques qui seraient arrivées. Oui. Allez, on les relance. Et il faut retenter de faire 3 ou plus. Ah bah, un seul, hein. C'est bien. Ça fait donc 24 touches. Ouais. Alors, j'imagine que c'est force 3, ou peut-être 4. C'est force utilisateur, donc force 3. Force 3 contre endurance. Bah de 5, c'est des Avoc. Ils ont une endurance plus haute que des Marines normaux. Du coup, en fait, dans tous les cas, ça me blesse que sur 5 ou 6. Ouf. Mais je relance tout ce qui rate. Donc il va peut-être y en avoir un petit paquet. Ouais, il va y en avoir un paquet, ouais. Allez, du 5-6. Là, ce serait peut-être plus rentable d'enlever les 5-6. Ouais, je vais enlever les 5-6. Faire de la place. Ça, c'est celles qui ont déjà réussi à blesser du premier coup, sans ton stratagème de haine de Slaanesh. Et tout le reste, maintenant, tu peux lancer à l'intérieur de la petite piste de dés. C'est parti, sur du 5-6. Ça rajoute quelques Oui, on a pas mal. Ouais. Ah, j'avais raison, les Sérastes, ce sont elles les vraies stars. Exactement. Hop, alors, ça nous fait 5, 10, 12 jets de sauvegarde. Non. 13 jets de sauvegarde. Alors, y a-t-il une pénétration d'armure? Oui, de moins 1. Elle est annulée par ma armure du mépris. Oui. C'est magique. J'ai donc mon armure pleine sur du 3+.
13 jets de sauvegarde à 3+. 13 jets de sauvegarde, quand même. Ça fait beaucoup. Sachant que toutes ces figurines-là de super avoc n'ont tous qu'un seul point de vie. Dès que je loupe un jet, ben, ça fait autant de bas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je perds 7 points de vie. J'en avais que 5, les avoc sont entièrement détruits. Balayé par les attaques. Ah. Encore, on n'avait même pas fait les coups de ton sergent. Oui, c'est vrai. Ah là là, les renforts redoutables. Heureusement qu'au moins j'ai éliminé ton chef là, parce que sinon, c'est moi qui serais probablement perdant après ce mouvement. J'ai droit à un petit mouvement de 3 pouces pour me rapprocher de la figurine ennemie la plus proche. Chez qui? Bon, c'est pas évident. Chez Expert et Terminator quand même. Enfin, ça dépend du qui en fait. C'est la 14. Et là. Ah ouais, tu as 12 et demi. C'est les Terminators, ouais, effectivement. Après, je peux me rapprocher d'eux en partant par là quand même. Hein. Oui, du moment que tu finis plus proche qu'au début, tu peux quand même aussi te rapprocher du sorcier en allant un peu au milieu de tout le monde, ça c'est totalement légal. Hop. Et en plus, tu auras quand même une ou deux figurines sur le point. Allez, les Cérastes. Ok. Ça, c'était du coup leur activation, quoi. Tu as aussi le visage, oui. Parce que là, la règle Inari, tape toujours en premier. Les Terminators n'ont pas le temps de relever leurs griffes pour te frapper au visage, que c'est et reparti. Cette fois-ci, contrairement à ce qui s'est passé avant, je n'ai pas oublié de mettre son trait de seigneur de guerre en action aussi. Oh, c'est quoi son trait de seigneur de guerre? Il est arpenteur de maintes voies. Parce que bah, il a eu une vie d'Aeldari bien remplie. C'est vrai, d'ailleurs, c'était pas un Drukhari à la base, lui. Oui, non, c'était un Azuriani, et d'ailleurs, ouais. Il a toujours ce mot-clé-là. Mais après, il a changé un peu, il est passé chez les Drukhari, il est passé chez les Cérastes, justement. Chez les Incubes aussi, non? Oui, bah, c'est devenu un Incube à un moment, je crois, peut-être, oui. Je crois que c'est devenu un chef Incube. Ouais. Dégénéré. Alors, tout ça pour suivre l'ivraine. L'amour, l'amour. Alors, ça fait quoi ce stressier de dégâts? Ça lui permet de relancer un jet de touche, ou un jet de blessure, ou un jet de dégâts. Ah! À chaque round, je crois, ou à chaque tour. Oh, c'est pas mal, bah, ça rajoute un peu de fiabilité quand même. Vu qu'il touche et qu'il blesse déjà assez bien, ça permet de faire quelques relances. C'est bien une fois par tour, donc si j'y avais pensé, eh ben, j'aurais peut-être éliminé un gars de plus autour d'avant. Très bien. Ce qui aurait pu peut-être nous faire économiser quelques points de vie aussi. Allez, bref. Du coup, il y a combien d'attaques? Une de plus parce que tu as brevet de l'âme de ton dieu. C'est ça, donc ça fait 6 attaques. 6 attaques. Ça touche sur 2 plus. Et tu peux peut-être lancer un dé si t'as envie. Ouais. Ah bah. Je vais le faire. Tu refais un 1. Tu refais un 1, ok. Ça nous fait du coup. 4 touches. Ensuite, pour blesser, tu as plus ton pouvoir psychique de renforcement. Ouais. Et que force 5 pour ton rang de 4, c'est du 3 plus. Tu as déjà mis ta relance. Ah, j'en ai réussi que 2. Pénétration d'armure, on se souvient que sur 5-6, tout va bien. Allez, les Terminators, une seule loupée. Ça fait 2 points de dégâts. Ils ont 2 points de vie. Celui-ci qui n'est pas sur le point va décider. Hop là. J'ai quand même pas énormément de choses dans cette partie. Puis, c'est la riposte, enfin, des Terminators. Ils ne sont plus dans un tour où ils ont chargé ou été chargés, ils vont perdre une de leurs attaques. Ils en ont 2 chacun, une pour le chef et une pour chaque griffe. C'est parti. Je te touche sur du 3 ou plus. Et les 5 et 6 rajoutent des attaques. Il y en a un petit paquet. Il y a 4 ici, 5, 6 qui rajoutent. Du coup, 4 auto-touches passent à mort au faux empereur plus ma bannière. Ce qui fait une belle différence. Pour blesser, force 4, endurance 3. C'est du 3 plus relançable grâce au bonus. Donc les 1 et les 2 sont loupés, sont relancés. Un qui est encore redouté. Autant du coup de jets de sauvegarde, ça nous fait 9 jets de sauvegarde, pénétration d'armure 2-2. Reste que 2 points de vie, ça paraît compliqué. 4 plus. Non, mais c'est le moment où je vais. Tu vas le compenser. Rattraper, ouais. Exactement. Allez. C'est parti. C'est parti. Je suis optimiste. Non. Ah, non. Non, il a perdu. Il a perdu 6 points de vie, il a perdu tous ses points de vie là. Hop. Voilà, c'était le. Le Visark se fait achever. Adieu. Bizarre. Et ce faisant, j'ai droit à un mouvement de 3 pouces pour me rapprocher de la figurine la plus proche, c'est-à-dire les Cérastes qui viennent d'arriver, ce que je vais faire. Les renforts, Black Legion se dirige vers les renforts Inari. Eh ben, il me reste plus que 3 figurines. Bon, il me reste à peu près 80 points d'armée contre quelque chose comme 150 pour toi au moins. Mais tout n'est pas perdu. Ça va être la fin de ton tour. Du coup, fin de ton tour, il y a le moral. Ouais.
Tu m'as tué un Terminator, je dois faire un test de morale, donc 6 plus 1, 6, je ne fuis pas. Et toi, t'as pas une perte, donc c'est tout. On va regarder maintenant si toi et moi on remplit du score. Tu contrôles un pion que tu ne contrôlais pas au début de ton tour. Donc l'assaut direct va te donner 2 de score. Et c'était quoi l'autre condition? Est-ce que j'ai détruit une unité qui était en contrôle d'un point? Bah oui. Donc en fait, on gagne 3 de plus. Tu passes de 3 à 6. On va donc maintenant passer au début du round numéro 3. Et oui. Il ne sert plus à rien pour moi de faire les dés du destin, les fils du destin, puisque les Sérastes n'ont pas accès à cette règle. Alors, je vais passer de 0 à 1 point de commandement. Vu qu'on passe au round numéro 3, mon tricheur de guerre pourra peut-être de nouveau me faire regagner un point de commandement si j'ai de la chance, parce que je suis un chef digne de confiance. Ensuite, les objectifs principaux. Est-ce que j'ai au moins un objectif? Oui. Donc je vais encore gagner 4 de plus. Est-ce que j'en ai au moins 2? Oui. Eh bien oui, pour la première fois, j'en ai au moins 2. Est-ce que j'en ai plus que mon adversaire? Oui. T'en as un seul, donc oui. Donc on va rajouter 4 et 4 et 4, 12 de score. Okay. Je passe donc de 9 à 21 sur 45. Je n'ai pas levé de bannière, il ne se passe rien d'autre de particulier. On va passer maintenant à ma phase de mouvement. Là, il est temps d'aller tuer les derniers Sérastes qui sont là. Je vais faire un mouvement normal avec mon sorceleur. Hop. Et un mouvement normal avec ici deux survivants de mon unité de terrible Terminator. J'ai fini ma phase de mouvement, phase psychique. Je vais tenter un châtiment avec mon premier pouvoir. Pour réussir à le lancer, je dois faire au moins 5. Double 1, c'est un péril du warp. Si on fait un double 1 ou un double 6 pour tenter de lancer un pouvoir, peu importe lequel c'est, eh bien, le sorcier qui tente de changer la réalité se fait assaillir par des visions cataclysmiques et se fait manger par des démons, son âme se corrompt, bref, un truc cool. Il va donc subir tout de suite un des trois blessures mortelles. Il perd 2 points de vie. Tu en avais 4, j'imagine? Je crois bien, je me semble que je passe de 4 à 2. J'ai vérifié. Et évidemment, là, le sort est raté, puisque tu as fait 2. J'ai fait 2 et pas 5, donc le sort est loupé. J'avais bel et bien que 4 points de vie, donc je passe à 2. C'était mon premier pouvoir. J'ai heureusement encore le droit d'en lancer un deuxième. Je vais tenter de manifester Prescience. C'est parti. Vas-y, il y a une charmoire de 7. 7, il réussit au pied. Je ne peux plus abjurer parce que j'ai plus l'incarne pour le faire. Ça ne se fait pas forcément que au tir, ça peut aussi se faire au corps à corps. Et je vais le faire sur les Terminators, et vous verrez que c'est en fait sans doute beaucoup plus intéressant que sur moi. Ils vont donc avoir 1 plus 1 au toucher. J'ai fini ma phase psychique, on passe à ma phase de tir. Terminator ou pas de tir, mon chef tire avec sa relique sur les Sérastes. Il est à demi-portée, sa relique est en tir rapide 2, il fait double tir de 2, ça fait 4, touche sur 3 ou plus. Une qui loupe, force 5 quand on lance des 3, je te mets sur 3 ou plus. Une qui loupe, pénétration d'armure 2 moins 2. Alors, normalement, j'ai une sauvegarde de 6+, mais j'ai une sauvegarde également invulnérable de 6+, contre le tir, et 4+, contre le corps à corps. Ah, 4+, contre le corps à corps. Ouais. Ok. Sur des 6, du coup, t'es protégé? Non. Non. Donc, tu perds à chaque fois 2 points de vie, mais tes figurines n'en ont qu'un seul, donc tes dégâts en trop sont perdus. Ah. Ça fait 2 morts. Fin du tir, on va passer maintenant à la déclaration des charges. Les Terminators déclarent une charge sur les Sérastes. T'as pas de non, je vais pas spécial. Faire le tir avec ta dernière. Allez, distance de charge. 12, c'est le 12. Ils vont tu même... peux faire le tour et aller voilà, dans c'est le. Ça, t'encercler, tintin. Ah. De façon à peut-être être sur le point après t'avoir tué. Oui. Et tout. Ils sont cruels. Donc, sauf si c'est toi. Moi qui te tue d'abord. Ah, tu frappes en premier, c'est vrai. Ben oui. C'est embêtant cette règle. Dis-toi alors. Alors, c'est parti. Corps à corps. Ouais. Alors, il me reste 3 Sérastes. De base, qui ont, on l'a vu, chacune... 3 attaques normalement, plus une grâce à leur arme, 4. Les drogues, c'est que quand tu charges. Ouais, les drogues, c'est que quand je charge. Ouais. Donc, je faisais une intervention chacune. Héroïque. Ce qui m'a fait du coup 4 x 3, 12 attaques. Ouais. Il y aura encore un trait de champion qui a une arme un peu meilleure. Tu touches sur lui, 3 plus. Oui. Dommage que je ne puisse pas encore faire mon stratagème de la grande ennemie, mais... Pourquoi? Ah oui, bah ça parce que c'est toujours de la neige. Oui, alors, on a dit 3 plus. Ouais, les 1 et 2 sont le ok. Pour blesser, force 3. Premier rang de 4.
5 ou 6 complétés. Oh, il y en a 4, c'est pas mal quand même. Une création d'armure de moins 1. Mais grâce à la nouvelle règle de armure mépris, ouais. Eh bien, c'est annulé. Sauvegarde sur du 2+, les armures Terminator. Ouais, là, c'est compliqué. Il n'y a pas de 1, ils résistent, ouais. Ils sont blindés. Et il reste les 4X. Sergent d'unité, si je puis dire, ouais. Qui elle a une arme, une épée énergétique. Tout à fait. Alors, de base, elle a senti une attaque de plus que ses congénères qui en ont 3. Elle a donc 4 attaques d'épée énergétique. C'est ça. Je préfère relever le profil. Elle touche du 3+. Alors. C'est bien ça? Ça, elle a 4 attaques. Ouais. Qui touche sur du 3+. C'est parti. Alors, sur du 3+. Tout qui touche, pénétration force plus 1 maintenant, c'est une épée énergétique, donc force 4, endurance 4. Et là, sur du 4 ou plus, ça c'est pas mal. 2 qui blessent. 2 qui blessent, pénétration d'armure 2, moins 3. Baisser d'un point à cause de l'armure du mépris, ça fait moins 2. Ma sauvegarde 2 de plus, baisse de 2 crans, ça fait 3+, 4+. Ouais. Oh, tout est réussi, la chance me sourit. Et maintenant, tu vas pouvoir attaquer. Et je vais pouvoir attaquer. Alors, je vais utiliser. Mon stratagème de... Ah, j'ai oublié, j'étais plus à mon effectif initial, j'aurais dû avoir un plus 1 pour toucher. C'est pas grave. Ah, ça rajoutait peut-être quelques... Peut-être, ouais. C'est pas grave, à mon avis, tu les aurais encaissés. Pour un point de commandement, qui est peut-être restitué sur 5 ou 6 chefs de ligne de confiance, mais 23. Oui, il m'est restitué. Eh ben, voilà. Qu'est-ce que tu fais pour toucher? Je fais que brûle la galaxie. Il est possible de relancer les 1 pour toucher. Et je vais faire vétéran de la longue guerre pour un point. Ça, ils auront aussi un plus 1 pour blesser. Très bien. Allez hop. Ça marche aussi au corps à corps, tout ça. Je crois bien. Hein. Les stratagèmes pour supprimer Thérétique Estartes, infanterie ou motard, sont infanterie, et choisis pour attaquer en phase de tir ou de combat. Vous pouvez alors ajouter un objet de blessure de cette unité jusqu'à la fin de la phase. Et que Brûle la Galaxie, c'est celui spécifique à la Black Legion. C'est ce stratagème lorsqu'une unité Black Legion d'infanterie ou de motard est choisie pour attaquer en phase de tir ou de combat, vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour cette unité pour le restant de la phase. Si cette unité est une escouade de Chaos Space Marine, vous pouvez à la place relancer tous les jets de touche ratés. Si j'avais une troupe pas cultiste, là c'est pas le cas. Donc, plus 1 pour blesser, relance des touches de 1. Ils ont réussi leur charge, donc ils ont normalement 2 attaques. Une parce qu'ils ont chargé, une par griffe. Ça fait 5. Le sergent en a une de plus. Hop, ce qui fait un total de 11 attaques. J'ai un plus 1 pour toucher grâce à mon sort de préscience. Non, c'est le châtiment que t'as raté. C'est le châtiment qui m'a explosé à la figure pour ainsi dire faire un pétard. Du coup, je touchais normalement sur 3+, grâce à cette règle, je passe à 2+, et 1 sont loupés. Mais tu les relances. Je les relance grâce à que brûle la galaxie, qui refont à 1, bon bah, au bout d'un moment, c'est loupé. Et là, on se souvient que, oh, les 6 et les 5 font des attaques bonus grâce à la règle amplifiée. Grâce à la tablette d'équilibrage de mort aux faux empereurs amplifiée par mon icône de l'excès. Mais la nouvelle règle telle qu'elle est écrite ne dit pas que sur un 6 naturel ou un 6 que non sur modifié. Un 5-6 naturel, ça s'applique, ça dit sur un 5 ou 6 grâce à ma bannière. Et mes 4 plus 1 de préscience se transforment en 5. Donc ces 4-4 qui sont là comptent aussi pour faire des attaques bonus. Donc j'ai une attaque qui a touché normalement, mais les 9 qui sont là vont toutes les 9 rajouter une attaque. Et je vais donc rajouter 9 touches gratuitement. Ce qui est pas mal. Ce qui est affreux. Allez, les griffes avec icône de l'excès, avec pression. J'en ai rien à faire de ton empereur. Moi, mon bonus est juste contre Slaanesh, même pas contre tous les Space Marines. Je suis Slaanesh, ça tombe bien. Alors allons-y. Maintenant, il faut blesser. J'ai une force de 4, talent de force de 3, je blesse sur 3+, mon stratagème me donne un plus 1, je blesse sur 2+, j'ai des griffes, c'est relançable. Donc les 1 sont mis de côté, et on les relance. Oh. C'est parti. Allez, mais... ça nous fait 5, 10, 15, 18 jets de sauvegarde, pénétration d'armure 2-2. Mais j'ai ma règle d'esquive, ce sont des acrobates et oui. Du combat. Et elles ont donc une sauvegarde invulnérable de 4 ou plus contre les attaques de corps à corps. C'est vrai. T'as dit 18 ? Oui, j'ai dit 18. 18, ça. C'est bien ce que j'ai dit. Bah, vu que j'ai généré 9 touches de plus, avec toutes ces bannières de l'empereur, du faux empereur, de la préscience, c'est pas mal. Bah, ok. C'est justement une unité qui est spécialisée pour tuer de l'infanterie. On
en mettant beaucoup d'attaques. Spécialisé pour tuer n'importe quoi sur la ville. C'est attaque force 4. C'est vrai. Une fois que tu relances tout. Ouais, une fois que je mets plus 1 pour blesser et que je relance en plus les dés, ça devient un effet. C'est parti, 4 ou plus. Oui. Non. Elles sont mortes. Elles sont mortes. C'est la fin. Et Céraste, sans vaincu, tombe sous le coup de griffes redoutables de Terminator. Je le rends en voulant 3 pouces de la fumée ennemie la plus proche. Il y en a plus. De ça va être la fin de mon tour. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau du score. Au niveau de l'assaut direct, je contrôle un point que je ne contrôlais pas au début de mon tour. Et j'ai tué une de tes unités, donc ça me rajoute 3. Une unité qui était en contrôle du point. Ouais, ce qui va faire du coup passer de 5 à 8. Grâce à la longueur, je gagne également 2 points parce que je contrôle un point qui était à toi au début. Et 1 point parce que j'ai tué une unité qui était dessus. Donc 3 de plus, donc celui-ci passe de 3 à 6. C'est tout pour la fin de mon tour. On pourrait croire que la partie s'arrête, mais non. Dans cette version 9, il est précisé que on continue de faire les tours jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, nos scores peuvent continuer de monter à l'un et à l'autre, potentiellement. Et du coup, en supposant qu'Amélie avait pris l'avantage au score, ça peut me permettre de revenir dans la partie un peu après, et aussi de voir de combien est-ce que j'ai gagné. Est-ce que j'ai gagné de beaucoup, ou au final, de peu. Par exemple, si jamais j'avais pu avoir un point verrouillé comme celui-ci, j'aurais pu continuer de donner du score, même si tu étais mort. Du coup, ça va être ton round 3 qui va commencer. Tu gagnes un point de commandement. Et puis c'est tout. C'est tout ce qui va se passer pour toi. Ça va ensuite être la fin du round numéro 3, début du round numéro 4. Je vais au début de mon round, phase de commandement, gagner un point de commandement. Puis, alors, est-ce que je contrôle au moins un objectif, deux objectifs plus que toi? Oui. Donc je vais remettre 4 partout. 4, ça me rajoute un total de 12 supplémentaires à 24, ce qui va me faire 36. Puis, on va passer ensuite à ma phase de mouvement. J'ai rien de particulier qui m'inciterait à être là où toi tu es. Mais si je contrôle des pions que je ne contrôlais pas au début de mon tour, je gagne quand même des points d'assaut direct à la fin de mon tour. Donc, je vais faire un mouvement. Donc, il y a au moins une de tes unités qui devrait faire ça. De 6 pour aller ici. Et l'autre, peut-être qu'il devrait planter un drapeau. Ils peuvent tous les deux planter des drapeaux, puisque ce sont des infanteries. À la fin de mon mouvement, ils vont tous poser leurs armes. Il n'y a plus de Lunari, il n'y a plus de Lunari, chef. Planter les bannières. Sortir leurs petits drapeaux. Alors, s'ils tirent tout ça, il n'y en a pas. Hop. Là, on peut mettre du noir et jaune. On peut mettre du noir et jaune. Un drapeau ici, un drapeau là. Grâce à le duo des étendards. Ce sera plus joli. Mon round s'arrête. Fin de mon round 2. Eh bien, j'ai réussi à contrôler un point que je ne contrôlais pas au début. Ça va donc me faire 2 points d'assaut direct. Mais pas de points avec la longueur, puisque pour ça, il faudrait contrôler un point qui avant était à moi. Il n'y en avait pas avant. Exactement. Je passe donc ici à 10 et ici à 38. Pendant ton round 4, tu gagnes juste un point de commandement et a priori c'est tout. Ok, et on passe maintenant au dernier round, le round numéro 5. Début de mon round 5, phase de commandement, je gagne un point de commandement. Je passe de 1 à 2 points de commandement, hop, j'ai enfin des étendards, j'en ai 1, 2, donc je gagne 2 points de victoire, et j'ai rien d'autre de particulièrement à faire. Bah tu gagnes 4 points de l'objectif principal. Tout à fait, je gagne ici, hop, pour la même raison que tout à l'heure, encore 12, ce qui va me passer à, au maximum de 45 sur 45, qui est atteint tout pile au dernier tour. Pas la peine de voir combien ça fait exactement, bah, je peux pas avoir plus. Ça sert à rien que j'essaye de prendre un point pour à la fin de mon tour gagner l'assaut direct, puisque je suis déjà maximisé. Tu peux te déplacer et mettre un drapeau là-bas. C'est vrai, ça je peux faire. Je fais un mouvement de 6 pour aller ici, hop, fin de mon tour. Fin de mon mouvement, j'ai un drapeau, pouf, qui se superpose ici, et mon tour s'arrête pour moi. Puis ça va être à toi. Petite spécificité d'ailleurs du joueur qui n'a pas gagné l'initiative lors du round 5, ses objectifs principaux ici sont capturés à la fin du tour et non au début. Ce qui est un peu plus avantageux pour lui, ça lui permet d'avoir un tour de mouvement en plus pour que ses bonhommes se mettent sur les pions. C'est un petit bonus pour compenser que jouer en deuxième, c'est souvent plus dur que de jouer en premier. Alors, je gagne un point de commandement, donc on disait. Oui, tu passes du coup de 2 à 3.
puis il se passe ton tour où il n'y a rien, puis ton score, et enfin la partie s'arrête. On va pouvoir maintenant regarder les objectifs secondaires et faire le total du score. Alors, Amélie, jusqu'au dernier, tu devais avoir des survivants. Il n'y en a pas, malheureusement. Derrière les lignes ennemies, il fallait être ici, tu n'as pas pu le faire. Et repérer les chez l'ennemi, c'est pareil. Je l'ai bien repéré, mais je ne pourrais pas faire mon rapport. Il y a également, en version 9, ce qui est fort appréciable, un bonus de 10 points de victoire si vous jouez avec une armée qui est entièrement peinte pour l'encourager. Ce qui est le cas, bien sûr, d'Amélie. Ce qui lui fait un total pas très élevé, malheureusement, de 16 points de victoire. Il faut dire qu'elle était surtout à essayer de me foncer dessus pour me tuer. Elle n'a pas eu le temps de rester statique sur des points, alors que moi, qui avais des tireurs, j'ai pu un peu plus me dispatcher sur la carte. Puis tu avais aussi ton chef qui représentait beaucoup de tes points d'armée, donc tu avais moins d'unités de points. On va faire maintenant le total de la Black Legion. Assassin a donné 3 points de victoire par personnage que j'ai tué. Plus un si c'est le seigneur de guerre. J'ai tué 7 en tout. Tes deux bonhommes, il y avait le chef dedans, ça nous fait du coup les 7 points sur 45. Le vieux les étendards, j'ai à la fin de la partie 1, 2, 3 étendards encore debout. Ça va donc me faire passer mon score de 2 à 5. La longueur ne bouge pas et je suis également entièrement peint. Ça m'a coûté quelques nuits presque blanches pour finir le Terminator, mais ils sont peints. Ce qui nous fait un total de 45 plus 5, 50, 50 plus 10, 60, 66, 66 plus 7, 73. Joli score, bravo. On peut voir que c'est donc la Black Legion qui remporte. Je ne sais pas si on voyait le total de score là. Hop, je vais laisser. C'est donc la Black Legion qui remporte cette partie. Bien joué Amélie. Bien joué Georges. Et nous voilà de retour pour cette après-bataille. Bien joué pour ta victoire, Georges. Merci, merci. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? Je pense qu'elle était relativement serrée, même si j'ai gagné de beaucoup au score, parce qu'elle a été très, très rapide. Au final, nos renforts autour où ils sont arrivés, ils ont tous les deux été très, très impactants. Ils ont éliminé les survivants qu'il y avait sur la table. Et ensuite, j'ai pu gagner globalement presque à la fin du tour 2. On savait à peu près comment ça allait se finir. Donc c'était vraiment très très violent et on avait une armée qui était au final tous les deux avec beaucoup de dégâts et pas forcément énormément de résistance. Mmh. À part ton énorme figurine d'incarne mais que j'ai réussi quand même à faire tomber tôt dans la partie. Je suis très content d'avoir pu justement tester de jouer corps à corps. Puisque sur la chaîne et dans ma pratique personnelle, j'avais toujours eu une liste Black Legion qui était avec que plein d'Avoc, plein de cultistes. Donc, beaucoup de tireurs. Que du tir, et d'ailleurs on l'a encore vu cette partie, tous mes stratagèmes pouvant se mettre au tir et je peux tirer double et ainsi de suite. C'est assez rentable, c'est très très fort au tir. Mais dès que j'étais engagé au corps à corps, c'était compliqué, je pouvais pas trop te prendre de dos. Et ils sont très fragiles, ils sont endurance 5, mais bon, ils ont qu'un seul point de vie, c'est Avoc, et ils coûtent très très cher en points. Donc même une petite troupe de Cérastes qui arrive, ça peut très rapidement les détruire. Alors que mes Terminators, eux, ils ont chacun 2 points de vie, une sauvegarde de 2+, une sauvegarde invulnérable, et ainsi de suite. Et je trouve que du coup, ça donne vraiment un style de jeu différent à l'armée, alors que la plupart du temps, au final, les gens qui jouent Chaos Space Marines jouent corps à corps. Enfin, l'armée, en tout cas, est très orientée corps à corps, et je pense que ce sera peut-être encore plus vrai dans le prochain codex, on verra. Mais voilà, le fait d'avoir une liste au final plus équilibrée, avec pas que deux unités d'Avoc équipées différemment, mais des Terminators qui arrivent plus tard, solides, anti-légers, avec toutes ces griffes qui sont parfaites pour tuer de l'infanterie, et une unité d'Avoc que j'essaye un petit peu de cacher, et qui elle a beaucoup d'armes anti-lourds, je trouve que ça synergisait vraiment bien, et c'est quelque chose que je referai sans doute à l'avenir. Moi, de mon côté, j'ai pas eu beaucoup de chance, faut bien le dire. Ouais, c'est vrai, globalement. Mais ouais. Malgré tout, j'ai l'impression que la partie était gagnable et que si jamais j'avais fait un petit choix différent, peut-être si j'avais pas mis autant de ressources pour sauver des rangers au premier tour que finalement j'étais bien contente de laisser mourir. Ce mouvement, c'est vrai, c'était tout au début de la partie, donc j'oublie de le rappeler, mais cette téléportation pendant mon tour, durant la mort d'une de tes unités, si c'est vraiment quelque chose qui, waouh, ça fait peur. C'est très impressionnant. Et ça marche même sur une unité à moi. Supposons que tu joues une armée de tir. Supposons par exemple que tu as le premier tour. Tes rangers arrivent, ils tirent sur mon chef, ils le tuent.
si ça se trouve, tu téléportes ton incarne derrière mes cultistes dans mon dos. Enfin, il y a des possibilités, je trouve, de gameplay qui sont impressionnantes. Mais si c'est le cas, il ne peut pas charger ce tour-là, quand même. Attends, oui, c'est vrai. Il s'expose un petit peu. Donc, c'est plus fort si c'est pendant mon tour, finalement. Alors, à part ça, les Inari, ils ont beaucoup changé. Ouais, ils ont pas mal changé. Ils ont reçu quand même un sacré coup de pouce, globalement, sur leur fonctionnement par rapport à ce qui se faisait en édition 8. Bon, personnellement, ça m'embête un peu de devoir mettre des unités Azuriani, donc des craftworks, entre guillemets. Parce que toi, t'avais pour fait, pouvoir jouer mes Drukhari. T'avais fait des Inari entièrement Drukhari, c'était possible avant, et maintenant, c'est plutôt entièrement crafter et qu'il y a des règles pour mettre un peu d'Arlequin ou un peu de Drukhari si tu veux. Mm-hmm. J'imagine qu'à terme, peut-être tu repeindras de refaire quelques unités Craftworld que je peindrai avec mes couleurs Inari. Et oui. Donc peut-être des gardiens de choc, histoire d'avoir une troupe différente, par exemple. Ouais, bien sûr. Peut-être il me faudrait une attaque rapide, donc peut-être des Banshees pour pouvoir accompagner mes lions, tu vois, ce genre de choses. Surtout qu'en plus, tu joues quand même plutôt corps à corps en Inari maintenant, et les Banshees, on le sait, sont des unités assez efficaces dans ce domaine, du codex anciennement crafter, et maintenant à Eldari, du coup. En plus, je trouve que juste les profils, les caractéristiques de tes deux héros ont vraiment reçu des bonus significatifs. Je me souviens que l'épée du Vizark avant ça donnait un malus au commandement. Ouais, c'est ça, au commandement. Et là, à la place, ça enlève les sauvegardes invulnérables et il est plus fort qu'avant. Et les attaques de tir gratuites de ton dieu en zone qui auto-touche. Force 7, ou je sais pas, je veux dire, c'est quand même un gros plus, c'est vraiment tout un outil supplémentaire qu'il a reçu, ça t'a aidé à décimer les cultistes tout partout, là où tu téléportais en plus. J'avais un Vizark qui avait pas Ivraine à protéger. Oui, c'est vrai. Donc, une prochaine fois, je pense que j'essaierai de changer un peu la liste pour essayer de voir ce que donne Ivraine aussi de nouveau. On a pu voir aussi, pendant cette partie, la fameuse tablette d'équilibrage. Enfin, toi, en l'occurrence, même deux d'un coup, puisque j'ai eu à la fois du coup la modification du mort au feu empereur, qui m'a beaucoup aidé sur les griffes. Ça m'a permis de faire plein de coups bonus, combinés à ma bannière, combinés à mon sort de préscience. Bon, j'ai construit ma liste dessus, exprès pour vous montrer ça, pour regarder cette règle est modifiée, on peut jouer dessus, c'était un choix de ma part. Et aussi, du coup, celle plus récente, avec la règle qui baisse la pénétration d'armure de mon adversaire contre moi, qui a rendu mes Terminators indestructible. Ouais. Sauvegarde de plus, et en plus il ignore un point de pénétration d'armure. Ouais. C'est dur. Ouais, c'est vrai. Et dans le nouveau codex V9, ils l'auront sans doute, mais ils passeront enfin à un point de vie de plus, logiquement. Donc ils seront en plus à 3 points de vie et pas 2. Ouais, ça va être très très compliqué de les enlever d'un point objectif. Ouais. Je pense que quelque chose qui m'a vraiment bien aidé sur cette liste pour te vaincre, c'est d'avoir modifié aussi mon pouvoir psychique et de ne pas avoir conservé Temps altéré, qui permet de faire un deuxième mouvement. Habituellement, je jouais que des tireurs, je les cachais beaucoup, je faisais mouvement, deuxième mouvement du tireur, tir, deuxième tir. Du coup, ça me permettait de jouer un peu au chat et à la souris sur la carte et te tirer dessus très très fort, puis un peu de me cacher ou quoi. Et là, du coup, j'avais pas cet outil-là, mais à la place, enlever les sauvegardes invulnérables, sachant que justement, t'avais une grande figurine qui coûtait tous tes points et qui était censée être protégée grâce à ça. Et bien d'un seul coup, tous mes tirs étaient très menaçants. Je pense que sans juste ce choix de pouvoir-là, j'aurais très probablement perdu la partie. Ça fait une belle différence. J'avais un bonus de revanche de 25 points, ce qui me faisait tout un Terminator à peu près, à un ou deux points près, ou alors la moitié d'une de mes unités de cultistes, ce qui était non négligeable. Si j'avais eu toutes les attaques d'un Terminator en moins pendant toute la partie, ou même juste pas de quoi poser une deuxième unité de cultistes, et j'en aurais juste eu une de 15 bonhommes au lieu de 2 de 10, ça concrètement, j'aurais pas eu autant de scores. Au moral, tu aurais pu encore plus les massacrer et mon unité elle aurait disparu très très vite. Je pense que à la fois le choix de mon pouvoir psionique différent et le fait que j'ai une unité de plus de cultistes sur la table pour me protéger et prendre du score, c'est ça qui a fait la différence entre la victoire et la défaite là-dessus. Et bien sûr, les GD, ça joue toujours beaucoup. On a le plaisir de vous annoncer que si tout va bien, notre prochain rapport de bataille, on va pouvoir à nouveau faire intervenir un de nos amis, entre autres Arthur, mon frère, que vous avez déjà vu quelques fois sur la chaîne, qui devrait normalement être de passage et nous expliquer et montrer le fonctionnement du nouveau Codex Tyrannide version 9.
avec peut-être en plus une autre surprise qu'on ne dévoile pas tout de suite. C'était une belle partie, je suis sacrément amusé, et je pense que ça change pas mal de ce que la Black Legion pouvait faire d'habitude, donc je suis assez content. Moi j'étais à ça de gagner. Quelques sauvegardes de plus de réussite sur un carne, ou un jet d'initiative différent, la partie aurait été tout autre. On vous remercie de nous avoir regardé jusqu'au bout pour cette longue vidéo explicative, comme toujours. On va d'ailleurs aussi remercier nos chers tipeurs qui nous donnent une manne financière qui nous a permis déjà d'améliorer la qualité de nos vidéos avec ces merveilleux micros qu'on porte. Vous pouvez d'ailleurs noter que le micro d'Amélie a un revêtement différent du mien, un peu plus pelucheux. C'est pour éviter que le frottement de ses longs cheveux sur le micro puisse parasiter légèrement le captage lors de la vidéo. On va remercier du coup nos tipeurs dans la plus haute catégorie en soutien, Jean-Louis Pagnan, Xev74 et Sibuna. En catégorie élite, on a Clara, merci à toi. Et enfin, en catégorie troupe, Wark et Grégory. Merci à vous tous, mais vous n'êtes pas les seuls à participer aux achats et aux améliorations que vous pouvez constater sur Faramir, puisque vous pouvez également, si vous le souhaitez, passer commande sur le site internet myhobby.place, qui est un site d'achat de produits Games Workshop français, qui a l'avantage de faire des réductions conséquentes d'entre 10 et 20% sur toutes les grosses précommandes et produits de ce genre. Quand vous faites une commande sur le site myhobbyplace, à la fin, le site vous proposera de choisir entre plusieurs créateurs de contenu liés à Warhammer francophone, et celui que vous sélectionnerez, et ben, sans avoir à vous dépenser un centime de plus, recevra une partie, une petite compensation financière du montant de votre commande. 5%, si je ne dis pas de bêtises, de la plupart des produits nous sont ainsi reversés en bon d'achat, ce qui nous permet d'acheter nos peintures et une partie des nouvelles figurines, comme par exemple une toute nouvelle armée Thousand Suns qu'Amélie prépare grâce justement à ces 5% qui s'accumulent dans une cagnotte depuis quelques temps, et qui va nous permettre d'expliquer de nouvelles règles et de faire venir bientôt une nouvelle armée 500 points sur la chaîne. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'êtes pas obligé de participer financièrement à quoi que ce soit. Votre approbation, votre soutien, vos commentaires sont déjà largement suffisants. Donc n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo autour de vous, ou bien à nous laisser un petit message auquel on sera un plaisir de répondre. On répond à l'intégralité des messages, ça nous prend quelques jours de délai pour avoir le temps, pendant que bébé dort, de vous répondre et ainsi de suite, mais ne vous en faites pas, on vous lit et toujours avec grand plaisir. On vous dit à très bientôt pour un prochain rapport de bataille sur Faramir. Salut tout le monde! Salut!